Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Gamekult ce week-end. On va faire le tour de l'actualité des sorties de jeux vidéo avec Nodus qui fait le con à côté. Bonjour Nodus. Bonjour. Tu t'amuses bien sur le plateau avec ce Gamecube, cette console qui est plus vieille que toi? Tu as dit ce Gamecube donc j'admire. D'accord, très bien. Ça va Pouillot? Ah, chef. Il me fait plaisir. Combien de temps? Il a de l'avenir ce gamin. Sinon ça va? Non, pas trop mais... Ouais, cette émission est enregistrée vendredi matin, sachez-le. Lendemain de séminaire, où on a beaucoup appris. Où Dance Dance Revolution et SingStar ont quand même des conséquences. Tous ces PowerPoints. Des conséquences. Livre d'informations. Ça n'a pas servi à rien. Effectivement, donc on va tout de suite s'excuser pour les petites cernes. À ma droite, Gotoz, toi tu vas bien? Oui, moi je m'excuse pas pour les cernes parce qu'elles sont de série, elles sont là depuis 4 ans, donc, mais ça va, très bien, merci beaucoup. Très bien, et Pipo? Un peu pareil que mon camarade, hein, elles ont été faites à pyrogravure, mais ça roule. Eh bien tant mieux, en tout cas cette émission sera notamment consacrée à The Division 2, un jeu qu'on ne testera pas cette semaine puisque le test est encore en cours, mais on pourra néanmoins vous donner nos impressions intermédiaires avec Amaebi qui sera en duplex, qui est chargé du test. On parlera également évidemment de l'actualité, je vois qu'il y a un gros point news cette semaine avec pas mal d'informations puisqu'il faut savoir qu'en début de semaine prochaine commence la GDC, c'est un salon dédié aux développeurs qui va se passer en Californie à San Francisco. Et puis on aura le tournée manette et l'entracte musical. On va commencer tout de suite avec le point news. C'est juste après le jingle, je sais que j'ai oublié de parler de Retro Island. Nodus a levé son doigt au moment où j'y pensais. Et c'est intéressant, Retro Island, donc c'est une émission rétro. Alors c'est pas Retro Dash, c'est plus ramassé, c'est plus court, c'est avec plus dense. Julien Pirou et tout Alex Pilote. Donc parle-nous un petit peu de Retro Island, puisque tu fais Retro Dash, bah, tu es responsable du rétro. Eh bien, de la même manière que Coin Up Legacy, c'est un petit peu de nos lives sur Gamekult, oui. Et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Et donc ce Retro Island-là nous parlera de, Pitfall, merci. Donc j'imagine que ça va aussi bien couvrir l'épisode Atari que l'épisode Mega Drive de Mayan Adventure, oui, qui était très cool. Toute la série. Et sûrement les épisodes 3D bien pour l'un qui était sorti après. Voilà, ça devrait faire un très bon programme. Si vous n'êtes pas forcément familier de la licence Pitfall, ou si vous avez juste abandonné ça au premier ou deuxième épisode, voilà, vous aurez un petit peu l'historique. Et voilà, comme la chute. Pitfall. Voilà, c'est... le fall de Pitfall, voilà. Vous la maison de retraite, hein, d'ailleurs, qui a arraché au premier les épisode. Flots bleus. Les flots bleus. Et on parlera également, puisque vous êtes abonné premium, puisque vous regardez cette émission, de Presse Occulte. Presse Occulte, donc, c'est une émission mensuelle, audio dédiée aux médias au sens large, donc pas forcément que la presse, mais les médias du jeu vidéo au sens le plus large possible. Et là, cette fois-ci, on parlera du jeu vidéo à la radio. Donc, en fait, les chroniqueurs radio qui, justement, parlent du jeu vidéo, bah, comment ils arrivent, justement, à se faire une petite place dans ce vieux média pour parler un petit peu du jeu vidéo, à qui et sur quel ton. Donc voilà, c'est une émission qui est consacrée à ce média et c'est disponible dès à présent en audio. On va attaquer tout de suite, oui? Non, je veux juste faire un petit big up à Olivier Bénis qui fait du très bon jeu vidéo à la radio. Voilà, donc si jamais il regarde, ça lui fera peut-être plaisir. Voilà. Okay. Messieurs, un big up aussi à quelqu'un? Bon. C'était la dédicace. Bah, ma mère. Aussi. Ouais. Aussi, je fais un big up à ta mère. Moi, big up à Yacine. Voilà. Big up à Yacine. Ah, bah oui, bien sûr. ce noble commerçant qui nous arrose de bière. Voilà. Bref, fini les private jokes. On va attaquer donc l'actualité de cette semaine. C'est juste après. Là, je peux le faire, le jingle. C'est parti donc pour le tour de l'actualité de cette semaine et puis une information un petit peu insolite pour commencer puisqu'on va parler de... insolite parce que c'est pas un jeu tout à fait, même si c'est une répercussion effectivement sur une sortie importante de 2019. Ce jeu donc c'est Judge Eyes, donc la nouvelle série entre guillemets dérivée de Yakuza, du studio donc responsable de Yakuza, et dans Judge Eyes il y a un personnage incarné par un acteur japonais. C'est un acteur, c'est un entertainer. Un influenceur japonais, voilà. Que l'on appelle Pierre Taki. Et Pierre Taki a un problème en ce moment. Il fait Quel est ce problème, Pouillot? Raconte-nous cette histoire rocambolesque. Que
Il y a plusieurs gradations dans les crimes des stars au Japon. Donc, t'as les coucheries, voilà, ça fait quelques infos dans les différents quotidiens et journaux télévisés. Et puis, tu as la drogue. Et la drogue au Japon, c'est très, très, très mal perçu. Et voilà, il s'avère que Pierre Taki a concédé avoir consommé de la drogue, ce qui, pour un musicien électro depuis 30 ans, est quand même une révélation assez surprenante, non ? Voilà, parce que c'était l'un des membres fondateurs de Denki Groove, qui est un grand, grand groupe de techno japonaise. Mm-hmm. Que je conseille d'ailleurs à tout le monde, hein, soit dit en passant. Et donc, le problème, c'est que quand au Japon, tu te fais prendre la main dans le sac ou dans le sachet, eh bien, ça tourne mal. Et en fait, tu es, comme dans 1984, rayé complètement des archives et tu n'existes plus. C'est-à-dire qu'à tel point que dans Judgment, a été tout simplement retiré de la vente, que ce soit en physique et surtout en dématérialisé. C'est-à-dire que voilà, dans Judgment, il incarne un patron Yakuza au Japon, ouais, un patron Yakuza, un capitaine qui s'appelle Kyohei Hamura, et du coup, eh bien, ce gars est bien emmerdé, puisque depuis qu'il est persona non grata, absolument, eh bien, il faut le retirer du jeu, carrément, pour essayer. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas eu de trafic, il avait de la c'est de la consommation de drogue. Enfin, pas que je veuille genre encourager la consommation de drogue, mais ça me paraît effectivement assez dingue. Il a été pris de la main en sac, quoi, et pour au Japon, c'est quelque chose de très considéré, vraiment de très très grave. Et comme la présomption d'innocence existe, mais que c'est un concept quand même assez abstrait. Le mec, il doit rester sur le nez. Eh bien, du coup, bah, il est quasiment considéré comme coupable. Et surtout au Japon, on ne rigole pas avec ça. Et donc tout ce qui est lié au divertissement, toutes ces œuvres artistiques sont complètement associées à l'homme et non pas dissociées. Et à tel point que Judgment n'est pas en fait le seul jeu impacté par cette décision. Parce que Square Enix a décidé de refaire intégralement les doublages de Olaf, puisque c'est le doubleur de Olaf dans La Reine des Neiges, il faut le savoir. Voilà, les jeux de mots sont faciles, et d'ailleurs Jarod ne s'en est pas privé, on le salue. Il est sorti il y a combien de temps, le jeu au Japon ? Judgment, il est sorti mi-décembre. Ah oui. Ouais. Et donc, Square Enix ne va pas retirer Kingdom Hearts du marché, mais en revanche, ils vont refaire tous les doublages et il va y avoir un patch express qui va être sorti pour retirer toute trace de Pierre Taki dans le jeu. Donc, heureusement, ça va, il n'a pas participé à beaucoup de jeux, mais... Donc, ils vont refaire quoi ? Sa voix et son visage ? Il avait prêté ses traits aussi ? Alors, ça a déjà eu lieu dans Yakuza 4, c'est-à-dire que, pareil, là aussi, il y avait un acteur seulement suspecté par un tabloïd d'avoir un peu consommé, et ils ont carrément changé la modélisation faciale pour la sortie du remaster sur PS4. Il avait les cheveux longs, je crois, après. Ouais, effectivement. Alors, cette information peut vous sembler insolite, mais elle a peut-être quand même une conséquence pour nous autres Français, puisque la sortie de Judge Ice, pour l'instant, est dans le flou. Ben voilà, il n'y a pas eu de communication officielle à ce sujet, mais a priori, donc le jeu était prévu, il me semble, fin juin, si je ne dis pas de bêtises, et on est sans nouvelles des éventuelles conséquences liées, je ne sais pas, on va dire, au changement du personnage ou à une nouvelle modélisation ou autre, ce qui risque quand même de retarder forcément un petit peu la production du jeu. Ouais. D'autant que Judgment allait enfin avoir des sous-titres en français. Voilà, après plusieurs années, donc c'était vraiment une grande occasion de retrouver, on va dire, la série Yakuza sans forcément être complètement bilingue. Bah voilà, wait and see. C'est quand même fou que ça soit littéralement sur la seule licence de gangster hardcore de Sega que les mecs fassent les effarouchés. Limite Kingdom Hearts, je pourrais comprendre, genre, non, les gars, la coco, c'est pas très très familial. Yakuza, quoi, enfin, au bout d'un moment. C'est bah, oui, bah, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est assez ironique, hein. Je trouve ça assez ironique. C'est dingo, quoi, mais bon. Mais bon, bah non, mais c'est un jeu où tu peux c'est l'exemple, je pense que c'est l'exemplarité à la japonaise, c'est-à-dire que tu touches pas la drogue et qui que tu sois. Carlos Ghosn ou. Toutes les exactions dans le jeu semblent bien pires que ce qu'aurait pu faire le pauvre monsieur Taki. Ouais, mais c'est une œuvre fictive, donc. Et oui, non, mais bien sûr, je sais. Inspiré de faits réels. Apparemment. Il prendra deux fois maintenant. Il réfléchira bien maintenant la prochaine fois. Il tournera son nez cette fois dans son nez. Il n'y a plus beaucoup de blagues dans ce sujet. Je m'attendais à se faire rouler dans la farine. Vous avez été une sobriété que je trouve exemplaire. Voilà. Bravo, messieurs. École Pouf-Schnouf, et puis voilà, c'est fait. Allez, Gotos, on enchaîne sur une news sur Halo. Alors, il ne s'agit pas du prochain épisode, mais de la Master Chief Collection. Oui, exactement. Parce que Master Chief pourrait consommer toute la coco qu'il voudrait. Il reviendrait quand même à chaque fois. Bah, ça ne se verrait pas, il a un casque. Donc, la Master Chief Collection, oui, en plus, il est caché. On ne saura jamais si c'était lui. Donc, la Master Chief Collection va sortir sur le Microsoft Store.
mes surprises également sur Steam, puisque Microsoft concède enfin la liberté au Master Chief. Ça a été annoncé durant le Inside Xbox du 12 mars dernier. Et donc la série principale maintenant, jusqu'au 5, qui n'est pas concernée pour des raisons évidentes, va donc arriver sur le Microsoft Store et sur Steam, à commencer par Reach, puisque c'est une préquelle, et ensuite arriveront le 1, le 2, le 3 et le 4. Sachant que également Reach, parce qu'en fait ils vont sortir de manière chronologique, avec D'accord. Reach en premier, Reach va donc rejoindre également le programme de rétro de la Xbox One, avec une restauration 4K 60 FPS pour la Xbox One X, ainsi que tout un micmac autour du multijoueur du jeu, si vous êtes abonné Game Pass, si vous possédez la collection, etc. Je vous passe les détails parce que moi, comme souvent avec les annonces autour du Game Pass, etc., j'ai pas tout bien compris. mais on saura plus à propos de cette Master Chief Collection entre le 15 et le 17 mars durant les Invitational de Halo, puisqu'il y a une compétition Halo qui est organisée là bientôt. Et donc on en saura plus, notamment des questions de date et des questions de prix, parce que pour l'instant tout ce qu'on sait, c'est que la MCC va sortir sur PC et sur Steam, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Je suis sûr que chez Epic, ils ont dû quand même essayer de bien négocier une petite exclue. Ça aurait été quand même magnifique pour eux d'avoir Halo sur l'Epic Game Store. Mmh. On peut peut-être déjà conseiller aux gens qui voudraient acheter la Master Chief Collection sur PC de s'acheter également une manette, parce que c'est vraiment pas des jeux faits pour le clavier souris. Ils ont été pensés pour la manette et ils sont agréables comme ça. C'est intéressant parce que c'est des jeux un peu comme Shadow of the Colossus, par exemple. C'est des trucs un peu sacralisés comme ça. On était sur PC, on était là genre, oh là, j'en les aura jamais. Et pour le fait qu'on ne les a pas, on pense qu'ils sont fantastiques, mais je pense qu'effectivement, jouer à Halo, sachant que le Combat Evolve, le premier, était sorti sur PC. À la souris, c'est pas forcément le truc le plus. C'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour. Hein. Le premier était peut-être celui qui était le plus pensé pour le. Enfin, le plus orienté clavier-souris, je pense. Mmh. Mais après, les suivants, je pense que c'est manette obligatoire. Mmh. Donc c'est l'heure de découvrir les FPS au pad sur Steam. Tiens, c'est nous qui avons finalement envahi Steam avec nos jeux consoles. J'ai l'impression au niveau des joueurs, parce que t'as des mecs qui attendent depuis 15 ans de pouvoir jouer à Halo sur PC et qui maintenant pourront prendre tous les néophytes. Voilà. En attendant probablement une version PC pour le prochain Halo Infinite, hein, qui est pour l'instant juste annoncé. C'est déjà annoncé. Voilà, oui, c'est un jeu Microsoft 10, quoi. Windows 10, pardon. Il sera et crossplay, peut-être même crossbuy, donc a priori, il n'y aura pas de souci là-dessus. FPS toujours, cette fois-ci, un jeu qui tourne bien sur PC au clavier et à la souris, c'est Battlefield 5. Le jeu sorti l'an dernier, ils avaient déjà annoncé que le Battle Royale se ferait attendre, ça y est, on a des nouvelles. Qui se souvient du Battle Royale de Battlefield 5. Ouais. Effectivement, annoncé à la sortie du jeu, je crois que c'était en novembre dernier, novembre ou octobre dernier. Il était promis pour février-mars, et voilà, ils sont toujours à la limite de leur planning, mais ils sont encore dans les clous. Si on rappelle le narratif de Battlefield, c'était nous, on a un solo, contrairement à Call of Duty, mais du coup, notre Battle Royale arrive plus tard. Tout à fait. Ouais. Il s'appelle donc Firestorm, littéralement tempête de feu, puisque la zone qui se referme, c'est du feu. La map, donc, ça se joue à 64 joueurs, c'est divisé en 16 escouades, et c'est la plus grosse map de Battlefield jamais réalisée. C'est génial. Magnifique. Le mec, il a raté la fenêtre. Donc c'est apparemment la plus grosse map jamais réalisée pour un Battlefield. Il y a deux maisons qui se tirent dessus, donc effectivement ça a l'air grand. Qui serait, alors j'avais noté, qui serait beaucoup plus grande que par exemple Amada, qui est la plus grosse carte actuellement. Ouais, le trailer démonte. Ok, je veux jouer à ça alors que c'est vraiment pas mal. Ça reste du Battle Royale classique, rassurez-vous. Avec des véhicules. Il y aura 17 véhicules. C'est super dur de rendre la guerre cool avec comme une DA qui est un peu réaliste, quoi. Genre, donc là, tu vois. Avec un tracteur rouge, tu fais des miracles, hein. Ouais. Là, tu vois les mecs comme. Il y a aussi des hélicoptères, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, essayer de les cartooniser un tout petit peu, genre en mode c'est pas des vrais gens. Mais que contrairement au Battle Royale, enfin aux autres Battle Royale du marché, là, t'as des objectifs qui sont à la fois fixes dans la map, donc comme un mode conquête de Battlefield normal, mais aussi aléatoire. T'as des zones chaudes en fait sur la carte où il faut prendre des points pour accéder à des véhicules élites et des armes plus avancées. Pour marrer avec ton e-carte, ils veulent rendre le Battle Royale épique, mais tu sais, genre vraiment, genre il y a une ligne de feu qui arrive. Courez ! Ça a toujours été la signature de Battlefield de jouer sur le côté épique, donc là ça me. J'ai l'impression, tu sais, qu'on leur a demandé de faire un Battle Royale, ils ont dit bah pourquoi la zone rétrécie ? Bah je sais pas, c'est la règle. Bah, c'est bizarre quand même, non? Ça vous dirait pas qu'on mette une nuke et un truc qui avance? Non, moi je suis assez content de pouvoir essayer ça pour voir la tronche que ça aura, parce que techniquement je pense que ce sera le coup de bailleur le plus abouti. Ouais, carrément. Donc ça sort le 25 mars gratuitement sur PC, PS4, Xbox One, parce que ça fait partie du modèle économique du jeu et de son scène de saison. Le mode Battle Royale sera aussi mis à jour au fil du temps, avec nouvelles armes, nouveaux véhicules, etc. Et voilà. On embrasse le subreddit des historiens. Ah, tout à fait. Voilà. Qui a dû voir le trailer et dire. Est-ce que le tracteur
quasiment partie du pack shot final et tout. Là maintenant je suis vraiment content et conquis. Ils ont trouvé l'objet le plus cool je pense du Battle Royale. Donc par l'éditeur d'Apex Legends, on le rappelle évidemment, qui sort donc de Battle Royale à de moins d'intervalle. Ça va être deux salles, deux ambiances les deux quand même. Oui, hein, oui. Je pense que non, mais je me moque, mais c'est vrai qu'en tirer de la chimie, ils ont peut-être tout intérêt au contraire à jouer plutôt la version un peu réaliste du Battle Royale. C'est deux publics différents, c'est deux visions différentes du Battle Royale et en plus de ça, je pense que. On verra si cette vision marche, cette idée de séparer de Battle Royale. Il y a personne qui va acheter Battlefield 5 pour son mode Battle Royale. Ça s'adresse uniquement aux gens qui l'ont déjà. Pour juste redémarrer et qui demandent le contenu. D'ailleurs, s'ils veulent sortir un jour le Battle Royale en free-to-play, je cracherai pas dessus non plus. Quoi. C'est ce que Blackout fera sûrement à terme. Oui, mais c'est pas Blackout que je veux. C'est celui-là, moi, c'est le tracteur rouge. Bref, Pipo, tu prends la parole, tu vas parler de Windjammers 2. Oui, car il y a. Bien long, hein, parce que, il y a un Windjammers 2 qui est annoncé. Alors, Windjammers 2, ça fait quelques temps qu'on sait qu'il existe. Gamescom. Mais on va pouvoir en voir quelque chose comme 10 secondes. Aïe, 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 attention, accrochez-vous à vos slips. Ou alors, non, Hubert a d'abord mis le premier trailer. Ah bah non, c'était ça, je crois bien. Ah, c'est celui-là. Donc on peut voir de nouveaux persos, on va pouvoir voir donc des attaques sautées, ce qui est un peu la grosse grosse nouveauté de ce qu'on a pu voir là. Et sinon, bah c'est Windjammers, hein, c'est Pong sous LSD, enfin plutôt sous des trucs qui font aller plus vite que ça. Mais c'est un Pong très très énervé avec des coups spéciaux, en gros. La Pierre Taki Edition, c'est Pierre Taki à gauche qui est le personnage qui a été ajouté. En Occident, on ajoute les persos, exactement. Le Japon il le retire. Oui, parce que voilà, tu as bien fait de dire en Occident, parce qu'à la base c'est un jeu japonais développé par Data East, ouais. Mais ça a été repris par Dotemu, et peut-être même The Arcade Crew. Je veux pas dire de bêtises, non, pas dire quelque chose, juste de Dotemu. Et voilà, bon, je suis pas fan du trait qu'on a pu voir, mais qu'est-ce que ça bouge bien. Et puis c'est Windjammers 2, ils ont l'air d'avoir compris Windjammers, donc ça me fait super plaisir. Et pas de date pour le moment, et c'est toujours uniquement prévu sur Switch et PS4, si je me trompe. Alors Switch et PC, Switch justement. Et PC. Décidément, qu'est-ce que j'en dis des bêtises. Sachant que la version de Windjammers 1, qui était remaster, était sortie sur Switch, PS4, Vita. Ouais. Et alors son PC, et je sais pas si on avait pas une... PC, justement. Ouais, donc justement, c'est une change de plateforme assez régulièrement. Mais en gros, ouais, c'est voilà, ça a l'air très très cool. En tout cas, je crois qu'ils ont vraiment pigé le cœur de Windjammers et c'est une super bonne nouvelle. Ouais, parce que on surveille aussi Dotemu, qui font aussi Streets of Rage 4. Ouais, donc ouais. Du coup, ils cherchent vraiment à raviver les vieilles légendes des années 90. Shenmue 3 justement, vieille légende. Puyo, on a eu une nouvelle vidéo puisque mine de rien, il faut commencer à le dire. Avec des frisbees. Shenmue 3 arrive. Alors c'est pas demain, mais ça commence à arriver parce que c'est le mois d'août, hein, donc faut se préparer. Et oui, news trailer. On a eu le trailer, donc comme souvent, hein, c'est au Magic, donc le salon qui a lieu tous les ans à Monaco, dédié à l'animation japonaise et à la culture japonaise dans son ensemble. Donc Shenmue 3, Yu Suzuki était présent pour diffuser cette nouvelle vidéo. C'est rigolo que t'aies prononcé le mot animation pour Shenmue, ça me fait beaucoup. Oui, parce qu'il y a encore quelques petits soucis d'animation faciale et quelques soucis. Mais bon, par rapport aux attentes, moi je suis... Voilà, ils ont un peu des vieilles gueules, faut bien le dire, mais je m'attendais à tellement pire que je suis presque soulagé. C'est devenu ça, on a fait le tour de la boucle. Je suis presque surpris, moi. On a tellement... Après 17 ans d'attente, l'esprit a l'air là, comme pour Windjammers, finalement. Et, mais oui, non, il y a des petits soucis, effectivement. Si vous voyez le verre à moitié plein, je dirais que ça y est, ce qu'on disait avec Pipo, il y a une DA. Oui, non, mais en fait, vraiment, parce que je sais que Dieu sait que j'ai beaucoup moqué ce jeu pendant un an, c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est plus moche, mais que c'est un choix. Et c'est vraiment pas dit méchamment en plus. Pour moi, là, c'est la DA visuelle qui suit le côté un peu Dreamcast 99-2000. Ils ont pas cherché à faire, tu sais, comme ces fameux Zelda que tu vois avec le Unreal Engine, en mode on a poussé tous les potards à donf parce que mon Hyrule c'est rigolo, mais voilà. Et en fait, je pense que je dis pas qu'ils ont fait exprès de faire un jeu moche. Mais peut-être qu'effectivement, ils vont peut-être réussir à atterrir sur un pied, quoi. À la limite, je pense que la réussite de ce trailer-là et pourquoi il est en train de rassurer les gens de cette manière très très bizarre, c'est que c'est la première fois qu'on voit un jeu. On voit des dialogues, on voit des scènes qui ressemblent à des scènes de jeu. À un moment, il y a des scènes de combat. Effectivement, tu dis, bon, effectivement, elles sont bloquées dans le passé de la Dreamcast, mais il y a donc des combats. Ce n'est pas juste un diaporama avec des gens qui ne bougent pas, quoi. Ouais. Bon, oui, c'est quand même toujours un peu figé. Heureusement, donc on va voir des scènes de combat. Bon, voilà, ça fait le tour du monde, évidemment. Mais voilà, donc des scènes de combat avec ce côté un peu. Comment dire, Virtua Fighter, mais c'est normal. C'est dérivé à la base de cette série-là, en tout cas dans l'esprit. Et puis, donc avec un système de combo automatique que tu pourras quand même repasser en manuel si tu veux vraiment toi-même gérer l'enchaînement de tes coups. On parle de 500 NPC, 3 villes, mais contrairement au premier jeu, les 500 NPC, il n'y aura pas d'interaction possible avec tout le monde, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, ils sont forcément limités. Moi, ce qui me manque un peu dans cette vidéo, c'est la partie explo, en fait. Parce que là, effectivement, on voit parler, on voit se battre, mais la partie organique de Shenmue, tu bats dans une ville, tu fais un peu ta journée. T'attends que le resto ouvre, tu tapes aux portes, demandes si t'as vu une voiture, etc. Ça sert à rien, au lieu de sauver ton père. Voilà. On ne l'a pas vu, donc ça sort voilà, toute fin du... 27 août. PS4, Xbox One et PC. Putain, à 3 mois près, j'aurais pu être là.
Mais si tu veux Shenmue 3, cassez-vous Gamecult. Nodus, on parle d'Arlesienne toujours avec toi, puisque Dwarf Fortress, on va en parler sur Gamecult, ça y est. Puisque qui se souvient Personne. De Dwarf Fortress. Alors réponse personne, mais personne il arrive sur Steam et Itch.io. Puisque en faisant mes recherches sur le magnifique moteur de recherche de Gamecult, qui d'ailleurs fonctionne, pour une fois. Nouvelle news. Personne en 17 ans n'a jamais fait aucun article sur Dwarf Fortress. Même pas une news. Même pas une news. Il y a une fiche. Il y a une fiche, sûrement créée par Jarod l'an passé. mais effectivement, donc Dwarf Fortress, on en a parlé sur le site pour la première fois, puisque le jeu en développement depuis... je peux montrer, non, la première vidéo, Hubert. 1942, non. La première vidéo. Oh, c'est beau. Dwarf Fortress, pour rappel, c'est ça. c'est un jeu qui est uniquement représenté en caractère ASC2I, donc caractère alphanumérique, qui a vocation à être le simulateur de vie le plus poussé de nains. Ah, vas-y, mais... Mec, vas-y, continue. Non, mais vraiment. Continue, je un peu de respect. Tu peux avancer la vidéo, Hubert. On a tous un simulateur de vie, tu vois. C'est un jeu qui est souvent raillé, c'est un jeu qui est souvent moqué, c'est un jeu qui est intimidant parce qu'il est dense, complexe et qu'il est assez difficile à approcher, notamment d'un point de vue graphique, on le voit. mais c'est aussi un jeu qui, moi, personnellement, sur lequel j'ai passé des heures et sur lequel il y a des gens qui passent des heures depuis plus de 10 ans. Parce qu'en plus, il est distribué gratuitement par les frères Adams qui en font littéralement leur projet de vie. C'est un jeu qui a une richesse vraiment insoupçonnée. Il y a même parfois des développeurs. Je vais vous raconter une petite anecdote sur les chats. Alors, l'un des deux frères Adams, une fois, avait ajouté dans le jeu des chats et des tavernes, avec notamment la possibilité pour les serveurs d'apporter les verres et donc de les renverser par terre. Sauf qu'il avait oublié que 8 ans plus tôt, il avait codé aussi une mécanique de toilette pour les humains et pour les animaux, ce qui fait que du coup les chats se mettaient de la bière sur les pattes, se léchaient, étaient devenus bourrés. Et donc il avait oublié ça, et donc du coup en une mise à jour, tous les chats se sont mis à dégueuler dans les grottes. C'était fabuleux. Dwarf Fortress, c'est un jeu qui est super riche et qui est vraiment... Enfin, c'est aussi un jeu à wiki, un jeu à tuto, parce que tu peux pas l'approcher comme ça. Tu sais pas ce qui est en train de se passer, et c'est normal. Voilà. Là, Nodus, tu vois quoi, toi? Alors là, ce qu'il faut voir concrètement, c'est... Qu'est-ce que tu vois, Néo, là? C'est un début de partie, donc là, c'est typiquement dans une plaine avec un ruisseau, enfin un cours d'eau en haut. Et c'est vraiment le début de la colonie. Tu vois les nains, qui sont représentés par les petites têtes, là, on les voit assez peu, qui bougent et qui commencent à déposer des ressources. Qu'est-ce que tu vois, Pouillot? Je vois une bouillie, parce que là, je suis... C'est vraiment qu'il voit rien. Là, j'ai volontairement pris la version vanilla de Dwarf Fortress, mais t'as aussi une plotée de modes graphiques. Voilà. Qui ont aidé ensuite à la popularité. Et justement, donc là l'annonce des frères Adams, donc ils développent le jeu, pour rappel, depuis 2002, le jeu est disponible gratuitement depuis 2004 ou 2006, je crois, les premières alphas. C'est tout le temps gratuit, sauf que là ils vont faire une version payante, une version premium qui sort du coup sur Steam et Itch.io dans un futur relativement proche. Cette version, elle apporte du coup une amélioration graphique de base, qui est celle-ci. Je vois Yuki qui est déjà en train de rigoler en disant « Ah, c'est déjà moche !» Bah non, ils ont passé un truc gratuit en payant, moi je suis fier d'eux. Hein, les mecs, bravo. Tu vas sortir, il va en acheter 10. Franchement, parce que derrière, la réalité, elle est un peu plus triste, parce que s'ils portent le jeu en payant, c'est pas par volonté de le faire, ils veulent pas le faire, c'est juste que l'un des deux frères, en fait, est malade, et les frais de soins aux US donc, sont assez chers. Et donc, du coup, ils doivent rendre leur jeu payant pour s'attirer un nouveau public, parce que là, ils vivent que sur les donations, et sur des donations sur Patreon et PayPal. Ils ont besoin. S'ils veulent continuer à faire le jeu, ils doivent... Ils ont fait une version un peu plus noob-friendly sur Steam et Itch.io, qui du coup devra apporter amélioration graphique, amélioration de l'interface, amélioration audio. C'est édité par Kid Fox Games, qui du coup a géré toute la refonte graphique. Okay. Et ça sort bientôt, et moi je suis méga turbo chaud, parce que je ferai sûrement un tournée manette sur le jeu, voilà. Et vous allez tous voir. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans le jeu sans vraiment avoir un parrain ou deux de... Il faut plus qu'un parrain. Ouais. Si tu veux rentrer dans le jeu aujourd'hui, c'est obligatoire d'aller voir des vidéos sur internet. Même sur la version noob friendly de Itch.io. Ah, ce sera pareil, mec. C'est tellement. C'est un jeu qui te prend jamais par la main. En fait, limite, il te repousse. Initiation YouTube obligatoire, hein, t'as pas le. Mais en revanche, après, c'est ce que tu vois, parce que t'as juste sorti une anecdote entre guillemets avec les chats bourrés, machin. Quand on parle de générateur d'histoire, nous, depuis 10 ans, quand on fait oh là, ce jeu, machin, oh Breath of the Wild. Je trouve que c'est un moteur en fait de. D'accord. C'est la folie. Quand tu démarres ta partie, il va pas générer juste un monde procédural, il va générer un monde, il va générer des factions, il va générer des relations entre les factions, il va générer des histoires propres à chaque faction, des mythes, il va générer des créatures, de la géologie, enfin, et tout ça, en fait, dans ta partie, t'en vois que 5%. Parce que généralement, tu crèves avant, parce que c'est un jeu qui est assez inhospitalier, tu crèves avant de pouvoir même voir ce que le jeu a généré pour toi. C'est un peu comme la vie, en fait.
C'est un peu comme la vie. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent pas faire un jeu beau. Ils veulent faire un jeu qui simule la vie et qui simule les détails complètement absurdes de blessures, de relations, etc. Je sais pas si Hubert peut nous mettre des images de Shenmue 3 pour qu'on ait un petit coup. Non, mais juste qu'on revienne un peu sur le 2019, comme ça. Je pense que Edward Fortress raconte plus d'histoires que Shenmue 3. Et en plus, Hubert l'a fait. Hubert est vraiment. Je un peu le graphisme parce que je trouve ça très beau en fait. C'est pas mal. Oh là là, vous avez vraiment. Encore dire qu'on est méchant. Vous avez vraiment aucun respect. Ceci dit, s'il y avait pas actuellement des vraies questions qui se posent, sur la protection sociale aux US, avec les dons, ils avaient suffisamment de quoi vivre et pas en serrant la ceinture. Ils étaient très contents de ce que le jeu générait pour eux en termes juste pour la vie. Ils ont eu un accident de vie qui leur. Ils ont eu en fait, effectivement. Ils tenaient à 2 ou 3 sur 12 ans. Ils sont deux, en fait, c'est les frères Adams qui font ça depuis 12 ans. Et là, malheureusement, depuis plusieurs mois, je crois que c'est Tarn, donc l'un des deux frères, qui est malade. Et là, ils peuvent juste plus assumer les soins. Ils ne laissent jamais d'autres personnes les aider ? Parce que, bon, je veux bien croire, financièrement, ils sont un peu serrés. Le jeu est gratos depuis 15 ans, et les gens qui donnent généralement c'est vraiment les fans hardcore du jeu qui sont là depuis 10 ans. Ils donnent un salaire à deux, mais par contre ils peuvent pas. Ils donnent sur Patreon, sur PayPal. Voilà. Ok, donc c'est une belle histoire. Donc le jeu, on pourra bientôt le prendre. C'est un excellent jeu. Enfin, c'est un jeu qui a été montré aussi dans des musées. Non, mais je me moque, mais en tout cas. Mais tu te moques parce que t'es con, mais. Il a dit, c'est bien. Voilà. Non, mais il a l'air mangeant. Les chats qui vomissent, c'est super cool. Si vous aimez par exemple les jeux comme Prison Architect ou Rimworld, et foncez parce que c'est un jeu qui est inhospitalier mais qui est très bon. Voilà. Alors, enfin, les un peu comme toi finalement. D'accord, non, d'accord. Les créateurs de Hyper Light Drifter font quelque chose que Dwarf Fortress ne fait pas, ils passent à la 3D. Et je pense que c'est le moment. C'est le moment passer à la 3D, puisque 2019, voilà, c'est le futur. Et du coup, voilà, Gotos, des informations sur ce nouveau projet. Mais oui, effectivement. Donc, Art Machine, les développeurs de Hyper Light Drifter, que vous connaissez sûrement, puisqu'il avait quand même fait grand bruit dans la sphère indé, etc., s'associe cette fois avec Annapurna Interactive, ce label qui, effectivement, lui aussi se fait connaître ces derniers temps sur la faire un dé pour un nouveau jeu après Hyper Light Drifter qui s'appelle Solar Ash Kingdom. Et si effectivement la palette de couleurs vous rappellera le jeu d'avant, on passe à la full 3D avec un jeu qui pour l'instant ne se montre qu'on va dire en grand panorama, et ensuite on va avoir un petit peu des animations de personnages, notamment des animations de glissade. On a l'air d'avoir quelque chose de très dynamique, c'est très très joli. En revanche, pour l'instant on ne sait absolument pas de quoi le jeu parle ni ce qu'on y fera exactement. D'accord. Ce qu'on sait en revanche, et c'est il y a deux trucs qu'on sait, donc on est absolument sûr, et c'est les deux trucs qui m'intéressent le plus. Wow. Un, Disaster Piece est de retour à la musique. Les fans de Hyper Light Drifter et de Fez seront ravis. Deux, ça se passe dans le même univers que Hyper Light Drifter. Et mon test à l'époque parlait justement de cet univers qui pose beaucoup trop de questions et qui te laisse partir avec. Et après, t'es là, genre, mais qu'est-ce qui s'est donc passé avec ces gens, les petits ours mignons, qui les a massacrés et tout ça. Ils l'ont fait pour toi. Et en fait, peut-être que ce jeu va raconter un petit peu plus le lore de cet univers, donc c'est hyper cool. Et on a une autre information, c'est que Annapurna Interactive, éditant le jeu, il sortira. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il est associé avec l'Epic Game Store. Associé avec l'Epic Game Store, on imagine qu'il y aura du coup probablement une exclusivité, fût-elle de courte durée. Mais c'est pas extrêmement surprenant pour Annapurna, puisque actuellement, pour rappel, c'est eux qui sont en train d'intégrer, ils sont en train d'encadrer, pardon, le portage PC de Journey exclusif à l'Epic Game Store. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais à mon avis, vu en plus le process de développement du studio, patience, ouais. Pipo, plusieurs petites news sur des jeux indés que tu as choisis. Petit rapid fire rétro, faux rétro. On va commencer avec Kunai, qui est développé par Turtle Blaze et qui, lui, cette fois, est chez The Arcade Crew, donc le label de Dotemu. C'est un Metroidvania avec des ninjas, sauf que ce ninja, c'est un ancien ninja réincarné dans une tablette. Et donc voilà, il a son petit costume et sa petite tablette et il va aller casser des bouches avec ses petits grappins et ses petits wall jump. On va sûrement les voir dans. Ça bouge très bien. Ça bouge très très bien. Au début, j'étais frustré que ce soit pas un vrai ninja. Et après. Il est pas réglementaire. C'est ça, la Fédé n'a pas voulu. Mais voilà, après revisionnage et grappin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, on incarne Tabby, comme je le disais, une tablette où s'est réincarné un grand guerrier. Et donc voilà, ça a l'air débile, bien vif, bien rapide et bien patate, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons The Messenger, de chez Sabotage Studio, 7 sur 10 par votre serviteur, donc que j'ai bien aimé. Sûrement une des meilleures OST de l'année dernière, d'ailleurs, pendant qu'on en parle. Donc c'est déjà dispo sur PC et Switch, ça arrive sur PS4 dans quelques jours, voire il y a quelques jours, si vous regardez l'émission avec un peu de retard, puisque c'est le 19 mars, donc ça arrive vraiment très très vite. C'est le futur du passé, mais voilà, je vous le conseille forcément toujours. Tout comme peut-être Puyo vous conseillera Agelos.
Oui, Agelo, c'est vrai qu'on avait testé à l'époque sur PC quand ouais. il est sorti l'an dernier. Chez Storyboard. Voilà, qui est un héritier, un des nombreux héritiers de Wonder Boy, entre guillemets, ouais. qui était vraiment revenu sur le devant de la scène en 2017-2018. Ouais. Et il arrive sur console. Et c'était aussi. Vraiment pas mal, une bonne surprise. Gotos m'avait dit « Oh, toi, ça c'est pour toi ?» Et j'ai fait « Ah bon, t'es sûr, vraiment ?» Et en fait, oui, c'était... C'est avec un bon niveau de difficulté en plus, un bon challenge, et puis voilà, moi tu sais, tu me fais du Don't Trust, comme on dit, ça marche toujours. Hein, c'était sur PC effectivement, et là sera PS4, One et Switch le 25 avril. Et un dernier boss qui fait hurler d'ailleurs, hein, faut bien le dire. Donc voilà, peut-être que ça a été patché depuis, mais il était bien bien vénère. Contrairement à The Messenger, qui est d'ailleurs un peu facile, mais qui va avoir une extension appelée Picnic Panic l'été prochain. Et donc je suis très très pressé. Ouais, qui se passe dans les le truc un peu vacances, île déserte, etc. Je suis très très pressé aussi. Eh bien, c'est noté. Voilà, et on se retrouvera pour un peu de rétro à la fin de ce point news encore. Ah, très bien. Bah écoute, rendez-vous dans 2 minutes, puisqu'il reste quelques news seulement. Des nouvelles d'ailleurs de Turtle Rock Studio. Vous les connaissez pour Left 4 Dead et un peu moins de monde les connaît pour Evolve. Ah, merci, c'était mon intro, je voulais dire qui se souvient de Evolve. Qui se souvient d'Evolve, ne du jeu. C'est une soirée, ce gars. Regardez l'écran de chargement. Excellente pizza. On s'était dit, c'est vraiment The Next Big Thing. Les gars, soirée. Pizza, c'est moi qui régale. Dispositif. Et finalement, c'est là où les serveurs ont connu un pic, hein, 7 personnes simultanées, se sont un petit peu emballées. On se moque. Le studio est toujours là. Le studio est toujours là, pour ce qui sera peut-être, ou peut-être pas, leur dernier jeu. Ils ont voulu oublier l'épisode Evolve, d'ailleurs, sur leur FAQ, sur leur site, c'est marqué « Mais pourquoi c'est pas Evolve 2 que vous annoncez ?» Et ils répondent « Si vous avez des questions relatives à Evolve, posez-les à Touquet. » C'est un petit peu salé. Le bébé, l'eau du bain. Parce qu'ils n'ont plus la licence. Et Touquet qu'il a depuis 2016. Là, en revanche, ils viennent d'annoncer un nouveau jeu qui s'appelle Back 4 Blood, donc avec un 4 comme Left 4 Dead. On rappelle que Turtle Rock, c'est donc effectivement les créateurs de Left 4 Dead 2, pardon. Ils avaient bossé aussi sur Counter-Strike Condition Zero avec Valve et Counter-Strike Source, Half-Life 2 et donc du coup Evolve et Evolve Stage 2. Là, on nous parle d'un shooter coopératif à 4 joueurs, toujours avec des zombies. Ils ont des idées de zombies plein la tête, on nous dit « Wouah !» En attendant, ils avaient trouvé les meilleurs avec Left 4 Dead et tout le monde les a pompés. Donc, c'est une nouvelle IP qui semble toutefois très ancrée dans l'univers de Left 4 Dead. À mon avis, il y aura des... Left 4 Dead 3, quoi. Je suis pas sûr, justement. Oh. Non, mais je veux dire, c'est que Valve ne sait toujours pas compter jusqu'à 3. Mais... Ce ne sont pas des zombies, ce sont des vampires. Des vampires infectés qui courent. On nous parle d'un jeu aussi qui sera donc du coup PC, PS4, Xbox One et possiblement next-gen. C'est-à-dire que l'idée n'est pas rejetée pour l'instant. Donc là, ils cherchent à recruter un maximum, ils cherchent des contributeurs et ils veulent faire de ce projet leur plus gros jeu. Ce qui devrait pas être compliqué. Ce qui me surprend beaucoup d'ailleurs, c'est qu'ils annoncent leur jeu et l'éditeur du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Warner qui est donc signé. C'est pas comme s'ils avaient un projet en disant on a besoin de thunes, voici ce qu'on a déjà fait. Mais par contre, ils ont fait que la moitié du taf. C'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé, ils l'ont pas montré. Quoi. C'est vraiment. Après, t'as beaucoup de gens qui annoncent des jeux sans les montrer. Non, c'est plutôt rare. Souvent, tu fais ça justement. On a littéralement eu 2 ans de Shenmue 3. Souvent, t'annonces ton projet avec des pincettes quand justement tu cherches quelqu'un qui peut le reprendre et un peu le façonner. Ouais. Tu vois, tu donnes souvent même pas le nom, tu dis juste voilà, on a un projet de shooter et tout. Là, je pense que c'est aussi une manière de dire non seulement on est vivant, mais il y a encore quelqu'un qui nous fait confiance. Voilà. Quoi. Ouais, pour dire un peu Left 4 Dead is back. Ce sera donc du coup, c'est vraiment typiquement Left 4 Dead, hein, c'est ce que tu disais, il y aura une campagne, il y aura des éléments PVP, il y aura du truc jusqu'à 4 joueurs. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air d'être Left 4 Dead avec des nouvelles idées et des nouveaux zombies. D'accord. Donc, par exemple, des petites boîtes que tu ouvrirais et dedans il y aura des choses mises au hasard. Justement, ils ont parlé donc d'un jeu premium qui sera vendu à mon avis 30-60 balles, mais pas encore de microtransaction, donc c'est ni réfuté, ni... Mais espérons qu'il y ait le même support du modding que les deux premiers Left 4 Dead qui permettait d'avoir des campagnes de avec dingo. Warner, j'en doute. Mais bon, voilà, ça sortira un jour, puisque... Ça, a priori, c'est une information... Qui est validée par GameCube. Un jour, effectivement. Un jour, le grand miel. Et ça s'appellera donc Back 4 Blood, voilà. Il faut savoir qu'en fait, parce que c'est moi qui relayé la news sur GK, donc j'avais un peu creusé le sujet. Donc Turtle Rock, en fait, à la base, après l'échec d'Evolve, il s'était jeté dans les bras de Perfect World en disant, vous nous ferez jamais de coup pendable. Ah, les bras de Perfect World, les fameux. Donc ils ont mis un FPS free-to-play en chantier. Quel est le nom de ce FPS? On ne le saura jamais, car le projet... À mon avis, c'est plus qu'ils avaient besoin de thunes après Evolve et que Perfect World leur a dit « Eh, vous voulez faire un FPS free-to-play de chi ?» Ils leur ont filé un chèque et ils ont dit oui. Et en fait, apparemment, ce projet, ils ont dit... On a discuté, on a essayé de move on. On n'a pas honoré la Donc on a pris le truc, on l'a acheté. Voilà. Et donc a priori, il ne sortira jamais. Donc c'est leur seul projet. Et comme tu le dis... Ce sera peut-être leur dernier s'il ne marche pas. Ouais, ils ont quand même sous-entendu que...
il fallait que ça marche, quoi. Donc là, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire d'exclusivité Epic Game Store, par exemple. Ouais, ouais. Sortez sur Steam, les gars, faites un truc... Sauf si le chèque d'Epic leur permet de survivre. Mais je pense que c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique pourquoi ils ont communiqué de manière un petit peu anticipée par rapport à la vraie annonce, avec, j'imagine, le trailer qui ira bien, etc. C'est vraiment... Ils voulaient peut-être parler juste à leurs fans, d'abord, en disant, les gars, on voulait vous l'annoncer en premier, mais en fait, on va vous faire l'effort des trois, on n'a juste pas le droit de le dire, parce qu'il y a des avocats de notre côté qui vont nous en empêcher, mais... Bon, c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est, donc, je pense que ce sera à peu près dans la même veine. Et on suivra ça peut-être à l'E3. Peut-être à l'E3, qui arrive dans, dans 2 mois et demi. Donc, je dirais même en plein milieu du PC Gaming Show. Du PC Gaming Show. Ouais. On va se réveiller. Qui se souvient. Qui se souvient, mais quelle transition, car nous allons parler de Fallout 76. Fallout 76, donc qui s'en souvient, puisqu'il est sorti. Je crois que Bethesda s'en souvient pas mal. Car le jeu, évidemment, bouge encore et remonte peut-être la pente, Gotose. Non, il est sorti, je l'ai vraiment imaginé, genre se barrer, en fait. Comme ça. Alors, remonte la pente, il respecte, en fait, ses engagements, à savoir celui d'un Season Pass qui commencera par qui commence là avec un premier DLC qui s'appelle Wild Appalachia, donc les Appalaches sauvages. Où, alors, effectivement, la structure du trailer est un peu terrible parce que ça commence par Hey, on a un appareil photo. Et là, tu te dis, bon, c'est un peu dommage, hein, d'autant qu'il y a quand même une nouvelle questline avec une série de quêtes qui vont te permettre d'avoir justement ce sac à dos customisable, mais on ne sait pas à quoi ça servira, ainsi que ce nouveau vendeur qui va te permettre de recycler tout ce truc, tous ces trucs légendaires que tu chopes pour avoir ensuite la chance de choper des trucs plus légendaires encore. Donc autant dire que là on est vraiment sur du recyclage de contenu et créer en fait des leviers de progression qui n'existent pas encore actuellement dans le jeu. Au passage, on te dit évidemment que... Alors, ils ont rajouté une nouvelle bestiole que tu pourras aller effectivement confronter avec ce masque. Et on la voit un peu plus tard dans le trailer. C'est juste un paresseux grand format, en fait. C'est juste un paresseux. C'était juste l'amour sport de South Park. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est un de leurs ennemis de base. Et du brassage et de la distillation, car c'est ça qu'on a envie de faire. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le plan original qui est en train d'être déployé, qui ignore complètement... J'assume enfin que finalement, le meilleur moyen de profiter de Fallout 76, c'est d'être bourré. Non, moi j'ai l'impression que c'est un peu ces fameux tweets que tu programmes, il se passe un truc, t'oublies que t'as programmé tes tweets, et t'as le trailer qui sort. C'est un peu ça. Voilà, c'est impressionnant. Donc j'aurais vraiment voulu pouvoir trouver cette analogie moi-même parce que je la trouve absolument parfaite. C'est effectivement ce que je vois dans ce trailer. Alors effectivement, ça ajoutera aussi le mode survie qui avait déjà été annoncé. Pour rappel, le mode survie, c'est juste un mode PVP qui fonctionne. Non, parce que c'est un mode PVP où quand tu tires sur quelqu'un, tout le monde est en PVP dès le départ. Et il y aura ensuite deux autres DLC à prévoir dans l'année. Donc en été, on aura Nuclear Winter qui lui devrait être un peu plus intéressant dans le sens où il devrait ajouter des donjons niveau, à savoir ce qu'on attend en fait, en plus des corrections de bugs. Drôle de sortir Nuclear Winter. Et en automne, on aura Wastelanders, et Wastelanders proposera un truc un peu particulier, à savoir une nouvelle quête principale, sans qu'on sache vraiment s'il s'agira d'une seconde quête principale ou d'une refonte de la quête principale actuelle. Je pense vraiment qu'on se dirige vers une seconde, comme l'équivalent d'un DLC sur une île pour Fallout 4, mais directement dans l'univers du jeu. Bon, on est tous nombreux à rigoler, et à raison, hein, mais est-ce que tu penses qu'à terme, ça peut sauver le jeu? Je pense que tu peux rajouter tout le contenu que tu veux. S'il y a toujours des zombies qui te foncent dessus en anti-pause comme ça, il y a un problème. Quoi. On peut regarder les images de Shenmue 3 d'ailleurs, juste rapidement. Parce que Cyber peut nous les ramener juste pour qu'on ait comme... Portrait, ça, ce voilà. Mais c'est comme ça le futur, quoi, les gars. C'est-à-dire que plus ça va mieux, quoi. Plutôt que de suivre en fait, les joueurs, les gens qui s'accrochent, qui veulent s'accrocher au jeu, etc., auraient préféré, à mon avis, qu'on pousse un petit peu la progression du Season Pass et qu'on parte sur un patch enhanced qui serait le premier gros patch après les petits ajouts par-ci par-là pour ajouter tout ce qui manque, même les trucs de base, les fonctionnalités de base de tri ou de trucs dans le menu, etc. qui manquent. Et là, effectivement, c'est juste, voilà, t'abreuves le truc de contenu et t'es plus ou moins en train de le transformer en Fallout, celui qui était sur iOS. Shelter, t'en fais un truc un petit peu party game, parce que de toute façon, il n'y a plus personne qui a envie d'être sérieux avec le jeu. Mais je pense vraiment que les 4 joueurs qui sont encore sur le serveur s'amusent bien, puisque j'ai vu récemment sur PC Gamer qu'il y a un mec qui a réussi à trouver un moyen d'enfermer les autres joueurs dans un truc qu'ils construisaient, et les mecs pouvaient juste pas jouer en fait. Ah, le labyrinthe à Death Claw là, ouais. Magnifique, magnifique invention. J'ai une petite pensée donc, pour la personne qui va peut-être genre scroller un peu le long de l'émission pour voir de quoi on parle, et qui va dire mais il passe 2 heures à parler de Shenmue 3, c'est quoi. J'espère secrètement que quelqu'un va tomber à chaque fois au meilleur moment. Moi j'ai une pensée très particulière pour le community manager de Fallout 76, en tout cas de Bethesda qui poste sur Fallout 76 tous ces trucs là, et ses réponses c'est fuck you.
Et c'est vraiment, c'est vraiment le community manager du Paris Saint-Germain qui essaye aujourd'hui, à chaque fois qu'il prend un point aujourd'hui, c'est genre dégage. Donc voilà, c'est pas facile. Pas vraiment, un métier simple. Vraiment une pensée pour lui, parce que vraiment, c'est pas, ça doit pas être rigolo. C'est pas lui qui prend les décisions marketing, et donc lui, il prend juste le caca, quoi. On lui a filé le plan sur 6 mois, et là, il est en train de le dérouler, à chaque fois, il se prend des tartes dans la gueule, il dit, vous êtes sûrs, là, les gars? Globalement, c'est probablement le taf le plus ingrat dans la chaîne de maintien d'un jeu service comme ça. Rappel pour le community manager anglophone de Sea of Thieves, qui pendant 6 mois avait son iPad et faisait yar, salut les pirates, aujourd'hui on va aller faire la même chose que les 6 derniers mois. Et genre, mais c'était c'est un boulot qui doit rendre malade, tout comme le CM de Blizzard qui poste sur Diablo, dès qu'il veut poster un dessin de fan, un cosplay les gars leur répondent regarde, bah tu sais, il dit on salue nos fans qui sont habillés comme ça pour cette convention, ils disent bah oui, bah eux ils se souviennent de ce que c'est Diablo. Voilà, genre clac, un poignard dans le cœur. Pour un jeu mobile. Sinon, il y a le community manager de, je crois que c'était Bungie, 343 Industries, qui avait posté sur Twitter la semaine dernière une pizza, juste un emoji pizza. Et il a dû retweeter après en disant arrêtez d'envoyer des pizzas, parce que tous les joueurs ont envoyé beaucoup trop de pizzas, ils ont dû les jeter. Ça, c'est le community manager que j'aime, tu vois. Ils en ont reçu genre au moins 50. Un petit emoji pizza là maintenant tout de suite. Un emoji iPhone. Je vais mettre un emoji iPhone, les gars. Mais également un emoji liasse de billets. Ça peut marcher. C'est ça, oui, celui avec les petites ailes. Putain, sur les pizzas, les gars, c'est vous qui les bouffez. Une information qui est peut-être mineure cette semaine, mais qui sera majeure la semaine prochaine, puisque l'annonce sera probablement faite en tout début de semaine prochaine. C'est l'arrivée de Google dans le jeu vidéo. On a eu une information quand même qui, pour le coup, est officielle et qui reflète peut-être les ambitions de Google sur le marché du jeu vidéo. On a déjà les deux thématiques de la prochaine émission. Il y aura Sekiro et il y aura donc Google et son intervention dans l'univers du jeu vidéo, puisque le 19 mars à 18h, on saura à quoi nous amène cette vidéo bande-annonce teaser, puisque les grandes annonces vont avoir lieu. On va enfin connaître tous les plans de Google, en tout cas tous les plans, l'essentiel des plans. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de matos à débriefer, j'imagine. A priori, on s'orienterait quand même vers l'annonce d'un hardware spécifique à Google, au-delà du simple, la simple déclinaison du Project Stream, Project Cloud plutôt. Du matériel, en fait. Ouais, puisqu'ils veulent quand même faire un point d'entrée à leur service qui serait matérialisé. D'ailleurs, il y a eu des mock-ups liés aux manettes. Est-ce que Uber, tu peux en trouver la photo de la manette? Attention, elle est absolument pas officielle. La mock-up, c'est mock-up. Donc, ce serait quoi si on suit les rumeurs, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est nos consoles, il n'y aurait pas de support de lecture physique, ce serait uniquement du DMAT. Ah ouais, je suis pas chez Google, mais oui, a priori, c'est. C'est là où. Mais il y a une information officielle néanmoins. Oui, c'est qu'on a appelé Jade au secours, voilà, il fallait que je la fasse. Ouais, elle est faite. Voilà, donc Jade Raymond rejoint la grande équipe Google, après son départ d'Emotive. Puisque voilà, elle était chez Electronic Arts, chez Motive Studio, pour chapeauter les projets liés à la licence Star Wars. Ça fait 4 mois qu'elle a quitté cette entreprise pour rejoindre donc Google avec Phil Harrison, avec Greg Canessa, avec tous les noms qu'ils ont engagés pour mener la stratégie. Et on verra comment ça va se matérialiser. Mais voilà, Jade Raymond, qui est donc connue essentiellement pour avoir produit le premier Assassin's Creed et qui a fait carrière chez Ubisoft avant de quitter et de rejoindre Electronic Arts, et qui du coup se fait un CV en or massif. Effectivement, pour le coup, c'est pas mal comme ascension. Elle est haute placée dans la branche, la nouvelle branche. Ben Cable, ça se pose là. Donc c'est pas forcément vice-président, il y a une espèce de faux ami, c'est en fait, plus. Chargé d'une branche. Au début, il y a eu les premières news, il y a quelques opérations, mais voilà, pour la branche vidéo, mais c'est pas vraiment dit en fait, ils ont pas vraiment envie d'appeler la branche vidéo comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une prise un peu symbolique aussi. C'est une personnalité du jeu vidéo qui va donc être là-bas. Donc, c'est quand même toujours important aussi de l'annoncer avant pour un peu montrer qu'ils ont des ambitions. La GDC là-bas, du côté de chez Google, il y aura également les gens d'id Software qui vont venir parler, en plus des gens d'Ubisoft. Donc, il y aura probablement des annonces autour de ça et du stream. Une grosse GDC en perspective. Même s'il faut préciser la chronologie, on commentera ça évidemment la semaine prochaine, on va pas trop spéculer, mais comme c'est la GDC et pas l'E3, il est possible que cette annonce soit pour l'instant assez modeste, puisqu'elle s'adresserait aussi à des développeurs en leur disant attention, on est une console, on est Google, venez. Et peut-être qu'à l'E3, on s'adresserait plutôt aux consommateurs, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura pas d'annonce de prix, peut-être qu'il n'y aura pas de date de sortie, peut-être. Ce sera juste les specs techniques en disant voilà, on est là et on a de l'argent à plus savoir qu'en faire, donc venez chez nous plutôt que chez les autres. Donc voilà, on commentera ça la semaine prochaine. Un teaser, moi, avec regarde, un couloir de l'espace, un couloir du Moyen-Âge, un couloir fantasy, un couloir machin. Je vois, ok, je ne voulais pas essayer de me proposer un truc. D'ailleurs, est-ce que c'est quel moteur sur lequel il bosse? Parce que ce qui était là.
Ah mais c'est à mon avis c'est absolument pas une question de moteur, c'est pas un jeu. C'était rien, c'était genre une. Okay. Là je pense qu'ils ont juste ravivé un peu les images iconiques du JV quoi. Donc oui, voilà, c'est de l'espace avec. Proposez-moi autre chose quoi. Mais oui, je comprends. Ils font pas des teasers pour une GDC quoi. Et puis je pense pas qu'ils feront une console pour les jeux indés. C'est Google. Je pense qu'ils vont plutôt aller taper dans le quadruple. Au contraire, ils vont faire tous les jeux indés de la Terre. Ils vont aspirer le jeu, effectivement. Est-ce que tu connais Android? Oui, voilà. Oui, non, mais voilà. La OUYA. Non, mais il y aura des jeux indés, mais je pense pas qu'ils vont communiquer en mode on est la console des indés. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Et pour terminer, tiens, puisqu'on parle de jeux indés, transition tout trouvée, tu veux parler de Tribute Games. Et oui, Tribute Games, donc les rois pour le faux rétro, comme je disais tout à l'heure. C'est mes bébés chouchou, hein. Ils ont fait Wizard, Mercenary Kings, Flint Hook, et ils viennent d'annoncer sûrement leur jeu qui a le meilleur nom à date, puisque c'est Panzer Paladin. Casse-toi. Et donc voilà, on joue ce petit bonhomme. En gros, faut imaginer. Il faut imaginer un Titanfall médiéval à gros pixels, puisqu'on joue ce tout petit bonhomme dans ce gros mecha qui va pouvoir voler les attaques de ses ennemis. On n'a rien de plus que deux images et un gif. Tu as conscience que tu te fais manipuler par ces gens, ça quand même pas ils du sont, tout. Ils se voient, ils disent on fout un grappin sur deux niveaux. Non, parce que Flint Hook, finalement, j'ai trouvé ça pas si dingo. Ah, moi j'ai kiffé Flint Hook. Eh oui. Ah, j'ai trouvé ça sympa, sûrement le meilleur. Je pense que je suis à 40 ans de jeu. Le plus propre des tributes. Non, non, mais sûrement, déjà c'était pas vraiment un grappin à balancier, ça m'a un peu frustré. Mais non, non, en gros, voilà, Panzer Paladin. Il y a un petit grappin, il y a un mecha et on vole des trucs aux gens et il y a plein de pixels. Et j'espère surtout qu'il y aura toujours Patrice Bourgeot à la BO, puisque bah, c'est un peu lui qui tire vers le haut la plupart des productions Tribute avec des BO absolument incroyables. C'est des jeux qui généralement ça, sont très cool. Ouais. Tribute, ouais. Et il y a un grappin. Et il y a un grappin ouais, accessoirement. Allez, et ok. Gif, on arrête de le repasser maintenant. Merci, il y avait des screens aussi, il les a pas sortis. On juste montrer Shenmue 3 une dernière fois. Allez, allez. Une dernière fois, juste pour qu'on relativise un petit peu sur la laideur du jeu. Voilà, puisque on a comme... C'était la route. Bah, c'était la route. Franchement, c'est plutôt joli. En fait. J'ai bien fait de bac, hein, je pense. Franchement, au bout de la sixième visionnage, c'est beau. Non, mais il est trop lent. Nicolas va annoncer sa mise sur Shenmue. 100 euros. Mais c'est pour les biens, pour les bienfaits de la société. Bien sûr. Et je me suis jamais fait rembourser cette note de frais. Voilà. Alors c'est bon d'emprunter la Switch. Je n'ai pas ta médaille, mais on va la trouver. Bon, en tout cas, monsieur, je trouve ça plutôt joli. Je suis très enthousiaste. Bah, du coup, on va passer à la suite. Si vous. Bah oui, alors, rien à voir. Là, je vous laisse une grenade. Oh là on là a des goupilles. Non, mais mon 27 août sera, mais lumineux. parce que moi, j'aurais pas à le tester. Donc, je vais juste lire la note. Je vais. Ah, bah, c'est de la merde, j'achète pas. Messieurs, puisque vous le voulez bien, on va passer. Enfin, si vous le voulez bien, surtout, on va passer au tour des manettes. C'est la seconde partie, la seconde rubrique de cette émission. Chacun va me dire à quoi il a joué cette semaine. Et c'est juste après le jingle. Allez, c'est parti pour le tour des manettes, vous connaissez la règle, chacun autour de moi va me dire à quoi il a joué cette semaine, et on va commencer tout de suite par Pipo Mantis. Tout à fait, voilà, dis donc, tu vas te calmer. Normalement, j'aime bien essayer de sortir des vrais trucs un petit peu inédits, et non pas un truc que je teste, ou des recettes par exemple, mais là malheureusement c'est mon prochain test, donc soit il est déjà dispo, soit il sera dispo lundi, mardi, et c'est un jeu qui s'appelle Hypnospace Outlaw. Ou pas malheureusement, plutôt heureusement. Oui, pardon, oui. Et donc, c'est Jay Tollen qu'on avait déjà pu trouver derrière Dropsy the Clown, qui était un point and click un petit peu étrange, sans texte, chez Devolver. Et là donc, on va dans l'Hypnospace, qui est un internet spécial qu'on peut surfer en dormant, avec un petit bandeau spécial. Et en fait, on va très vite avoir le job d'Enforcer, qui est en fait un modo sur cet Hypnospace, ou Hypnospace, comme vous le sentez. Sauf qu'en gros, tout va se passer déjà en 1999. Dans un OS spécial et verrouillé qui a donc après un browser. Et donc voilà, comme on le montre là, tu vas en gros striker, comme sur YouTube, mettons, des problèmes de copyright, de harcèlement, etc. Tout ça dans cette interface qui fonctionne super bien, avec des centaines de fausses pages web où tu vas finalement détricoter des histoires entre personnes, tu vois, de ce premier harcèlement que tu vas commencer à enquêter, ben peut-être qu'en fait c'était pas celui que tu pensais qui était le sagouin dans l'histoire, et en détricotant comme ça de site en site, tu vas commencer à trouver des choses. Donc évidemment, tu peux quasiment tout configurer. Tu peux télécharger des faux albums en MP3 sur un faux Winamp avec des faux skins dégueulasses. Avoir des faux virus. Tu peux avoir des faux virus. Tu peux avoir donc des économiseurs d'écran, bien sûr. Tu as également des petits animaux à mettre sur ton desktop. Toutes ces saloperies qu'on avait en 99, ouais. Eh ben tu peux les retrouver là. Et je trouve que... Snixel. Alors, ça picote un peu les yeux. C'est uniquement en anglais. On pourra y trouver tous les défauts qu'on veut si on est désagréable et de mauvaise foi. Mais c'est un truc absolument unique, c'est charmant comme tout, c'est nostalgique, c'est drôle. Je suis vraiment tombé sous le charme, et puis il y a un signe qui trompe pas. Parfois je faisais des vrais alt-tab pour aller sur mon bureau, tellement j'étais dans ce faux bureau en fait. Et ça fonctionnait vraiment super bien, et en plus le scénar
même s'il finit un petit peu en queue de poisson, il est quand même assez intéressant. Il y a un gros twist au milieu qui fonctionne très très bien. Et bien évidemment, voilà, donc on est modo pour cette boîte qui s'appelle Merchant Soft qui a créé l'Hypnospace. Et évidemment, c'est peut-être pas des si gentils qu'on pourrait croire, Google, Do No Evil, etc. Mais voilà, je trouve ça vraiment super bien. Ça doit coûter un peu moins de 20 balles, je crois que c'est à 17 ou 18. Et vous allez pas jouer à un truc comme ça cette année. Donc autant y jouer, oui, quoi. C'est... Ouais, voilà, c'est vraiment... Faut vraiment être à l'aise en anglais. Ouais, et ma seule question, c'est si t'as pas connu ce web-là, est-ce que du coup, toutes les références et les pages moches, ça rentre quand même? T'as pas de référence, finalement. Tu non, n'as pas de vraie référence. Mais que... effectivement, le côté page moche, machin, si t'y as pas été en 99, ça a peut-être moins de faire marrer. Ouais, ouais. Je peux pas savoir, parce que j'y étais. Ce sera de la fiction, du coup. De la pure fiction. C'est ça, exactement. Mais voilà, et bien évidemment, il sera jamais traduit en français, ne serait-ce que parce que tous les assets visuels de chaque site, ils vont pas les retaper. Ouais, mais voilà, ce poisson, c'est des pages pleines de gifs avec des midis qui se lancent en autoplay. Bien sûr. Ah, et après, c'est ça qu'on veut. Et après, si, mais en gros, en fait, t'as plusieurs hubs. Qui sont, t'as le truc des ados, donc ça c'est le Hypnospace Central, mais t'as Tintopia qui est un peu le truc où il y a les dinosaures, le métal et les films d'horreur pour les ados. T'as le truc des vieux, c'est Good Time Valley où c'est que des gens qui disent ah oui, nos soldats, machin. Et puis tu vas commencer à débloquer des trucs sur les auteurs de science-fiction et de fantasy, etc. D'accord. Donc tu vas rentrer dans plein de monde, tu vas découvrir des guerres de clans, tu vas découvrir un genre musical qui s'appelle le cool punk que je ne connaissais pas. Et maintenant je sais que j'ai envie de musique de Noël avec de l'électro derrière. Mais après, d'ailleurs, le fungus, la scène fungus et le pizza punk vont commencer à s'énerver contre le c'est incroyable. Vraiment, il y a des trucs fous là-dedans. Je peux clairement pas dire jetez-vous dessus parce que c'est pas pour tout le monde. Mais si ça vous semble un tout petit peu intriguant et intéressant, jetez-vous dessus pour le coup parce que c'est hallucinant. Voilà. Très bien, merci Pipo. À toi Gotos, à quoi tu joues cette semaine? Eh bien, en parlant de jeux hallucinants, alors restez avec moi, ça va être un peu compliqué. J'ai joué et pas terminé, mais testé. Baba Is You, pas terminé pour une raison simple, c'est que son développeur pense qu'on est tous comme lui. Sauf que il est particulier. Il a un cerveau qui fonctionne très très bien et qui lui a permis de construire 200 puzzles assez hallucinants. Il y en a 200. Donc un mélange, le mélange entre un Sokoban, donc où tu pousses des caisses, et un jeu où tu de la programmation visuelle, où en fait tu recodes la logique d'un niveau en écrivant des petites phrases. Alors Baba Is You, ça veut dire que le lapin c'est le joueur, mais si Lava Is You, alors le joueur il incarne toute la lave, etc. etc. Si machin, si Rock and Baba Is You, je suis à la fois le lapin et le rocher. Et le but c'est à chaque fois et eh bien d'atteindre. Alors certes flag, si jamais flag is win, ça veut dire voilà, j'en ai fait tomber des choses. Si jamais le drapeau et le truc qui te permet de gagner. Mais parfois, ça va être aussi de réécrire le niveau pour que ce soit un nouvel endroit qui te fasse gagner. C'est parfait pour la Switch, pour une raison simple, c'est que vous avez parfois besoin de poser la Switch, de saisir un coussin et de hurler dedans. Parce que c'est à péter un plomb, c'est vraiment à péter un plomb. Mais c'est très très bien, ça explore toutes les possibilités, je pense, que tu pouvais avoir avec cette idée extrêmement simple et extrêmement maline, et ça te fait entièrement recâbler ton cerveau à quasiment chaque puzzle. Ouais. Parce qu'en fait, ça va énormément reposer sur ta perception d'un jeu vidéo et de la logique et du sens commun. C'est-à-dire qu'un mur, tu vas tourner comme ça dans une enceinte murée pendant 5 minutes avant de te rendre compte que tu peux dépasser le mur parce qu'il y a écrit nulle part « Wall is stop ». Et en fait, tout le temps, tu es en train de te dire « Merde, le con, il m'a encore eu à chaque fois et il faut repenser différemment, etc. » Et au début, c'est très simple, c'est des petites commandes et puis ensuite, c'est « Je vais ajouter des téléporteurs et je vais ajouter des nouveaux systèmes et des nouvelles interactions entre les différents paramètres. » À un moment, ça devient débile. Enfin, vous êtes tous passé un moment ou un autre dans la salle de test et vous avez tous demandé qu'est-ce que j'étais en train de foutre. C'est vraiment brillant. C'est probablement un des jeux à côté de Steven Sausage Roll dans les jeux de puzzle que je trouve le plus redoutable parce que vraiment il fait mal quand même. Je suis obligé de name dropper The Witness. C'est oui, vraiment c'est presque politique. Bien sûr, bien sûr. et c'est vraiment très 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 bien. Il y a un prototype qui est encore disponible sur itch.io parce que à la base il a gagné une game jam avant de décider d'en faire un jeu. Et vous allez oublier ce look gros pixel sans grandes ambitions visuelles à une vitesse hallucinante tellement le gameplay et les idées de paramètres et le level design et le puzzle design sont zinzin. Bah, t'es bloqué sur celui-ci. Hein. Ouais. Et un détail qui peut avoir l'air de rien mais qui pour moi est super important, on peut
revenir sur n'importe quel mouvement c'est jusqu'au tout important. Début du jeu. C'est très, très enfin, de important, sa partie. Voilà, tu n'as pas de die and retry. Si jamais tu te lances dans, un, dans un, une piscine de lave, y a, tu appuies sur un bouton et tu rembobines ou une action ou toutes les actions depuis le début du niveau. Ce qui te permet en fait de faire une sorte de multivers dans ta tête où tu essayes comme si et tu reviens au, au début de la branche et tu repars dans l'autre sens, j'en etc. J'en ai parlé à JK, qui est donc notre collègue du numérique qui anime ZQSD notamment. Il a eu la même réaction de Roger que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il est amoureux du jeu, il est fasciné en fait. Il est moins d'ailleurs amoureux que fasciné. Il voit l'objet, l'objet complètement intouchable, vraiment. C'est, mais il dit, on se disait, en fait, c'est un jeu où tu te sens très très vite très con. Ah oui, ah oui. Et en fait, et c'est vrai que c'est très intimidant c'est ça, parce que là, on vient de passer lava, il se push. Voilà, la lave, tu la pousses. Voilà, c'est plus, elle te brûle plus. C'est un peu fou, c'est un jeu un peu fou. Et c'est un jeu pour net, ça. Du coup, j'avais une question, j'ai pas encore lu le test, mais est-ce qu'il y a des puzzles à terme qui proposent beaucoup beaucoup de solutions? Comme tu peux En fait, il y a quasiment aucun puzzle qui a une solution unique. Il y en a, je dirais qu'il doit y avoir un 15-20% de puzzles à solution unique. Sinon, il y a toujours un puzzle ou parfois il y a toujours des puzzles où au final tu trouves une solution et tu sais pas si c'était celle qui était la solution de base ou si t'as genre cassé ou trouvé la solution B. Et quand ça arrive, bah du coup tu te sens très très intelligent. Alors, et le puzzle d'après, voilà, Arvid et Carrie, le développeur te rappelle que non, c'est lui qui est intelligent, c'est pas toi. mais c'est mortel et surtout, alors faut pas essayer d'en parler avec les gens, vous allez beaucoup parler en jouant. Beaucoup de, ah mais non, mais si Baba is win et machin, is fire et machin. Je veux dire, est-ce que Baba is win, enfin qu'est-ce que ça fait? Tu Baba gagnes automatiquement? Ça marche seulement si t'es également is you, parce que si you est égal à rien, tu n'es plus dans le jeu en fait. Voilà, tu, non, voilà. C'est philosophique au bout d'un moment, quoi. Ça te fait pousser des exclamations un peu folles. J'ai vraiment passé par tous les trucs, quoi. J'ai vraiment cru que j'allais lâcher l'affaire et juste après, je me suis senti hyper fort. C'est vraiment un jeu brillant. Franchement, je pensais pas qu'il allait arriver si bien à dépasser l'excellent prototype de Game Jam pour en faire autant de niveaux aussi fous. Il y a un ou deux petits soucis par-ci par-là. La musique est un petit peu répétitive et tu vas avoir un ou deux opérateurs qui auraient nécessité un ou deux tableaux supplémentaires pour être bien expliqué. Parfois, tu manipules longtemps un truc en te disant « je suis pas sûr exactement de ce qu'il est censé faire ». Mais à part ça, faut se dire que j'ai réussi à faire la moitié des puzzles et j'avais déjà dépassé la vingtaine d'heures de jeu. D'accord, je voilà. Juste la solution, c'est fascinant. Flag, win. Celui-là, il est bidon. Il ou Louise. Ouais, ouais, c'est d'accord. En fait, c'est celui où justement qui t'explique qu'un mur n'est pas forcément un mur s'il n'y a pas écrit au list top. Parce que tu te dis, ouais, merde, un labyrinthe, je suis pas bon en labyrinthe, mais on s'en fout, quoi. Non, c'est pas mes captures, ça. D'accord, donc ça s'appelle Baba Is You. Et c'est vrai que moi, je sais qu'il y a toujours beaucoup de programmeurs qui nous écoutent. Je pense qu'il faut avoir un esprit un peu câblé. Avec vraiment des logiques. Et encore pas tant, parce que c'est des opérateurs et c'est des commandes très simples. Faut pas s'imaginer que tu vas avoir des else ou des machins. Faut pas de connaissances en programmation. C'est la logique scientifique qui me manque et qui peut-être va, je pense, me rendre assez fou au deuxième tableau. Mais ce qui est bien, ce que je peux dire à propos du jeu, c'est que même si vous arrivez à en faire que 30%, vous allez pas vous dire, oh l'enfoiré, quand même, ça se fait pas de faire des jeux aussi difficiles. Ouais. Les 30% que t'auras fait, ils sont tellement brillants, tu te dis, ça vaut bien le prix. Ok, d'accord. Bah écoute, merci Gotos pour cette petite chronique. À toi, Pouillot, à quoi tu as joué? On va revenir à quelque chose d'un peu plus classique et d'un peu plus triple A, puisque voilà, j'ai pas eu le temps de jouer. Je suis plongé dans Redact Chef Manager. Et du coup, je me suis rappelé ma preview de Days Gone qui a été publiée sur le site il y a quelques temps. Tout ça pour vous dire que effectivement là on est vraiment dans l'expression du triple A le plus évident possible. Donc Days Gone évidemment, le jeu de Sony développé par Ben Studio qui a longtemps bossé sur la série Siphon Filter et plus récemment sur les Uncharted Vita. Voilà, c'est vraiment leur grand saut hein, sur la PS4. Ce qui fait connaître par cette horde de zombies, c'était vraiment la théma du début. Ça fait trois ans que déjà dont on connaît l'existence du projet. Et du coup, invasion non pas zombie, mais infection, voilà, survie, beaucoup de campements disséminés à droite, à gauche, où les gens s'entretuent. Et le personnage qu'on voit là, c'est Deacon St. John, donc, qui est aux commandes de sa moto. D'ailleurs, tu commences très très vite le jeu sur la moto. Et qu'est-ce qu'on peut dire, si ce n'est que, on est vraiment dans le TPS assez générique, il faut bien le dire. C'est un jeu sur l'interface, c'est mou, quoi. Et comme vous pouvez le dire, très très mou du genou, alors que ce soit sur la moto ou durant les phases de jeu, il y a un gros problème de mollesse actuellement, et comme le jeu sort dans un mois, ce sera le 26 avril, je pense que ce ne sera pas forcément corrigé, ni que c'était aussi l'état d'esprit du studio. Mais qu'est-ce que vous voyez dans ces captures que tu n'as pas déjà fait 100 fois? C'est un peu le souci, c'est que pour l'instant, il y a vraiment un
aspect générique qui est assez sidérant. Aucune patate dans les gunfights et autres. Moi, je suis sorti de la preview un petit peu mou. Sincèrement, j'avais pas l'impression de trouver une idée de gameplay qui sortait du lot. Alors après, c'était à peu près la même impression que j'avais eue sur God of War l'an dernier. Je me suis lourdement trompé. Mais God of War, il y avait quand même un pari, une forme de reboot. Là, on est quand même dans quelque chose qui est vraiment très très classique. Alors ça peut marcher, hein. D'autant plus que la mécanique de Horde, je ne l'ai pas vraiment vue. Oui, j'allais dire. En fait, ouais. Est-ce que c'est pas le moment quand tu tires, quand la Horde te tombe dessus, que c'est l'originalité du jeu, en fait. Voilà, c'est vrai qu'on le voit pas du tout, on pourrait carrément oublier que c'est un jeu de zombies, en fait. Ouais, le problème, c'est que j'ai l'impression que les missions sont quand même très très instanciées et que le côté surgissement impromptu de la Horde, côté aléatoire, je sais pas s'il y sera vraiment. Il y a une seule chose sur laquelle j'ai envie de croire encore que ce jeu peut surprendre, c'est sur le côté persistant de son univers, et on en parlait il y a bien 6 mois, si c'est pas 10, quand j'avais fait aussi une preview. C'est super générique, etc. Mais ils veulent quand même un monde persistant, un monde où les saisons passent, où il se passe des choses, où ça a un intérêt, où quand tu tues quelqu'un, des zombies viennent vers lui. S'ils arrivent à créer ce truc de... Moi non plus, mais c'est justement, quand je te parle de persistance, c'est le truc que tu vois sur 10 heures de jeu, pas sur une démo. Et je me dis, avec un peu de chance, ce qu'il leur reste, c'est de nous avoir, entre guillemets, caché qu'ils faisaient un Breath of the Wild à zombies, tu vois. Je dis bien, c'est un espoir. Si t'en faisais un, tu le cacherais. Bien sûr que non, mais tu peux pas le montrer sur 10 heures. Enfin, sur des petites sessions. Donc je garde ce secret espoir que ça soit... C'est de merde de zombies qu'il y a eu, enfin... d'océan de zombies, plutôt, qui a été montré lors des toutes premières vidéos, cette espèce de moteur, en fait, à la Plague Tale, mais version zombie. En fait, t'imagines, tu plonges ça dans les images qu'on est en train de voir, c'est plus tout la même situation, en fait. Ouais, mais si tu fais que ça, ça devient ton jeu et ça n'a pas d'intérêt non plus. Ouais, en termes de pression, ça serait rare et spectaculaire, tu vois. Ouais, mais je pense que ce serait quand même beaucoup plus intéressant de devoir faire un jeu générique avec une merde de zombies qui te tombe sur la gueule. C'est ça, tu sais où elle est, voilà, de manière aléatoire, parce que là, finalement, tu peux alerter tout le monde là-dessus. Bien sûr. Et ça justifierait d'autant plus l'orientation infiltration qui, pour le coup, est très, très, là aussi, l'IA est complètement. À la ramasse, entre guillemets. Enfin voilà, c'est des mécaniques que t'as déjà vues et revues, en fait. Tu fight que des zombies ou t'as aussi des... Non, t'as aussi d'autres factions. Les méchants. Non, t'as même une faction de religieux, entre guillemets, voilà, qui est un culte qui s'est développé autour de l'infection et ça reste une menace. C'est tout cool comme idée. Ouais, t'as plusieurs menaces identifiées. Donc, on attendra évidemment dans la version finale pour vraiment savoir si le... Suite d'hélico. Et surtout, il tournait mieux que ce que moi j'avais pu voir. Moi, c'était catastrophique. Ouais, non, le jeu tourne relativement bien. Il y a un peu, pas mal de petits soucis de framerate encore, mais bon, rien de qui ne change des mondes ouverts actuels. Le fameux loup qui va plus vite que la moto. Hein. Voilà, et il y a une gestion un peu de la moto avec la gestion de l'essence et la gestion des dégâts qui t'oblige à trouver des stations-service ou à traîner des bidons. Ok. Voilà, ok, Death Gone. La semaine prochaine, le mois prochain, on sera à peu près tous. On regardera en fonction de l'agenda. Je prendrai peut-être la balle. Je suis obligé de prendre du recul. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais écoute, vous démerdez, je suis plus là, je m'en fous. Et pour terminer, Nodus, à quoi tu as joué cette semaine? Eh bien, j'ai joué à un jeu que j'attends depuis un an et demi, je crois. Satisfactory. Satisfactory, qui est le prochain jeu donc des développeurs, le studio c'est Coffee Stein, c'est un studio suédois, pardon. On leur doit la série Sanctum, qui était une série de Tower Defense en FPS sortie aux alentours de 2012-2013, je crois, et aussi, plus tristement, Goat Simulator. Tristement, peut-être que sans Goat Simulator, ils seraient pas là aujourd'hui. Voilà, c'était leur machine à billets durant quelques années, il est sorti sur littéralement tous les supports, je crois même qu'il est sorti sur Ouya. Sur Biscotte également. Sur Biscotte. Et donc du coup après God Simulator ils reviennent avec Satisfactory qui est c'est Factorio en 3D avec une vue FPS. On doit on débarque sur une planète, on doit récolter des ressources, du bois, des brindilles, du métal et tout, de la roche. Mais le but en fait assez rapidement ça va être d'automatiser la production en plaçant par exemple des extracteurs sur les gisements pour extraire le minerai. Ensuite avec des tapis roulants tu vas l'amener à un autre bâtiment qui va le transformer en lingots, pour ensuite le transformer en plaques, en tuyaux, etc. Et comme dans Factorio, comme dans Big Pharma, comme dans Opus Magnum et plein de trucs, tu peux en fait regarder le jeu tourner. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est un jeu qui est tellement satisfaisant une fois que tu as tout automatisé. Ça demande quelques gymnastiques mentales sur le placement des tapis roulants, la gestion de l'électricité, parce que tu
dois générer, enfin tu dois produire du carburant qui va alimenter tes machines. C'est, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est assez cool. C'était un week-end d'alpha, donc là qui s'est tenu la semaine dernière. Même en vue de la première personne, tu arrives à avoir comme la conscience de la grosse machine que tu fabriques. Tu peux en fait assez rapidement construire des tours de guet et donc du coup superviser ta production du haut. D'accord. Après, il faut y monter pour regarder. Bah, c'est le parti pris du jeu en fait. Ah, c'est, d'accord. Donc, pas de vision, non, non, non. T'as aucune vision. Tout est fait en vue FPS. Il faut y monter effectivement. Tu peux monter sur les bâtiments. Chacun des bâtiments a une échelle. Tout est fait en vue FPS via les terminaux informatiques, etc. Pour l'instant, la boucle de jeu que j'ai vue, elle est quand même très très basée sur le grind. En fait, t'as un hub où ils vont te dire à tel palier tu vas débloquer tel tapis roulant, tel truc pour splitter le tapis roulant en 3 par exemple. Donc là, tu te fixes un peu toi-même tes propres objectifs, à voir si à terme il y a une... la capture des connes, excellent. À voir si à terme l'interface aussi c'est celle de Factorio alors. Oui, mais tout est Factorio, tout est vraiment Factorio. En revanche, ils promettent d'autres trucs que Factorio ne fait pour l'instant pas, comme par exemple de pouvoir apprivoiser des aliens. T'as des véhicules aussi, t'as du multi que Factorio n'intègre pas dans sa version de base. Là, c'était assez prometteur, mais j'attends de voir la direction que ça va prendre d'un point de vue narratif parce qu'on nous promet une narration et surtout à long terme parce que là, pour l'instant, même si c'est très cool de manipuler des tapis roulants et que le jeu fonctionne très bien à ce niveau-là. J'attends vraiment d'avoir un objectif à long terme et d'avoir une boucle de jeu un petit peu différente. Ça sort le 19 mars sur l'Epic Game Store uniquement, pour l'instant. En version complète ? En accès anticipé, mon ami. En accès anticipé. Et donc voilà, ça s'appelle Satisfactory. Et si vous aimez Factorio, foncez parce que c'est la même chose. Et je crois que tu as fait un live de 3 heures ? 3 heures et demie dessus, et voilà. Je suis tombé dans la spirale de... Ça, si des gens veulent voir un peu le tapis roulant, et il y a une preview avec le live intégré en bas de la preview. Oh, merveilleux. Voilà, fabuleux. Serviciel comme il faut. Ludo serviciel. Ouais, c'est le tapis roulant en service du numérique. Ah, et du digital, pardon. Et du digital. Hein. Merci Nodus, merci à tous pour ce tour d'horizon des jeux auxquels vous avez joué cette semaine. On va maintenant passer, non pas à The Division 2, qui est donc la pièce de résistance de la fin d'émission, mais à l'entracte musical qu'a préparé, je crois, Pipo, avec quelques petites surprises peut-être, une thématique, on verra bien. Et c'est juste après le jingle. L'émission n'est pas terminée car il nous reste l'entracte musical et The Division 2. On va commencer par la partie donc musicale préparée par Pipo Mantis cette semaine. Tout à fait. Un quiz avec musical. Non pas donc. Un, non pas deux, non pas quatre, non pas cinq, mais six morceaux. Bien joué. Six morceaux, je prépare donc, mes émissions. Et une thématique. Puisqu'il s'agit de jeux très connus et morceaux que vous ne connaissez sûrement pas. Donc là, tu présumes qu'on n'a aucune culture musicale. Exactement. Tu as raison, fin de l'orbec. Ou alors, je suis un petit sagouin qui suis allé chercher les morceaux les moins connus des jeux les plus connus. D'accord. Ou des choses de ce genre-là. Est-ce que le premier morceau est relativement facile ou... En théorie, oui. D'accord. Eh bien, écoute, Hubert, je te propose de lancer le premier morceau. On a mis en noir et blanc pour pas que ça donne trop d'... Ah, mais non, c'est très cher. Les jeux sont ultra connus. On écoute. Ça, c'est clair et net. Ouais. De la Clarine. Je te claque un Sonic. Oh, le con. Eh bien, c'est non. Oh, le con, comme il a dit. T'as celui-là ? Ah bah oui. Ah, ça me vient un truc. Bien sûr, je l'ai. Mais oui. Oh, y a... Non, mais ça, le reveal a été fait. Ça y est, en fait, on le voit. Tourne-toi. Ah. The Voice. Ce sont les crédits de fin de Super Mario 64, un jeu un peu connu. Et comme, Sonic, Mario, comme dirait l'autre, on voit qui c'est qui l'a fini. Et oui, voilà. Donc le Staff Roll, jeu sorti entre 96 et 97 selon la période, est composé bien sûr par Koji Kondo, à qui on devra Punch Out, mais surtout quasiment tous les Mario et tous les Zelda. Donc un petit peu, voilà, c'est un staccanoviste de chez Nintendo. Pourquoi il est passé à côté de la pièce rouge ? Pour t'emmerder. juste pour te stresser. Stress. Mon cher Hubert, est-ce que tu pourrais nous mettre le second morceau ? Il est très joli celui-là d'ailleurs. Big Bobomb. Merci. Oh, c'est... Un couteau, il les a tous. Je pense à un WoW ou un truc comme ça. Eh bien, félicitations, WoW, ouais. Valentin, ouais. Magic Moments sur la BO de World of Warcraft, sorti en 2004. Et donc, tous les moments un peu magiques, ouais. Apparemment, quand on se balade, puisque je n'ai jamais joué à WoW, pour le coup. Composé par Jason Hayes. Bon, bah, lui, c'est un fidèle de la maison, puisque StarCraft, Warcraft 3 et World of Warcraft majoritairement, donc... Ouais. Pauvre gars qui a dû bosser que sur du Medfan quasiment toute sa vie. Mais bon, écoute, ça a l'air de lui plaire et j'espère pour lui qu'il est très très bien payé pour faire ça. Mon cher Hubert, si nous pouvons enchaîner sur le troisième morceau. Ah oui, mais ils ont moins de chances de l'entendre. Sonic 2. Bien joué, Sonic 2. Mais c'est la version alternative de Casino Night Zone quand tu joues à deux, je crois. Oh là là, mais oui, la version deux joueurs de Casino Night Zone.
Faut que j'en trouve un. Ben ouais, non, mais il est très bien trouvé celui-là. Et donc 92, et c'est composé par Masato Nakamura, bassiste et producteur du groupe de J-pop Dreams Come True, et qui n'aura finalement juste fait que Sonic 1 et 2. Le mec, il est juste passé 5 minutes dans l'industrie, il a pondu les deux des OST les plus incroyables de chez Sega. Donc bravo à lui. C'est toujours un plaisir. Là, ça fait quoi, 3 morceaux du coup? Il en reste 3. Il en reste 3. Et on a eu la sympathie de mettre quand même du solo, puisque faut rappeler que le mode de joueur de Sonic 2 sur Mega Drive était une catastrophe qui tournait à 7 FPS à peu près. Donc voilà. 7 à peu près. À peu près. Ouais. C'était variable. Ça avait le mérite d'exister en fait. Exactement. Mon cher Hubert, nous pouvons passer au quatrième morceau. C'est un FPS, je dirais. Wolfenstein? Pas du tout. C'est un FPS. C'est une musique de FPS, ça ? Peut-être. C'est Minecraft, non ? Oh là 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 là, il est feu ! Là, c'est vraiment la mosaïque. Hein. Enfin, la mosaïque d'un jeu à mosaïque, enfin, c'est quand même, si tu veux, non, tu t'en sors très bien. Dog, sur la BO de Minecraft, donc sorti entre... C'est pas loin avec Wolfenstein, quoi. Parfois, il y a des musiques comme ça, un petit peu bizarres dans Wolfenstein. Ah bah ouais, complètement. Sorti entre 2009 et 2011, et donc c'est composé par C418, qui se fait... Oh écoute, ça, c'est... Alors, pour le coup c'est Hubert qui a pris les captures, je vais pas lui jeter la pierre parce que j'ai pas trop pu. Vous êtes un chien du ravin, je trouve ça. C'est une vache, Pouillot. C'était une vache. Bah c'est comme toi quand tu fais The Forest, on te fait pas chier quand tu tues des tortues. Alors laisse les gens tuer les vaches. Regarde en plus. Et attendez, parce que donc Daniel Rosenfeld, C418, il a majoritairement fait du Minecraft, mais il a fait un extraordinaire EP en 2017 qui s'appelle Dief, parce qu'en fait il accompagnait une fantastique conférence de Teddy Dief, donc un mec dont je suis fou amoureux, conférence qui s'appelle Still Grooving, que je vous conseille donc fort, où il explique ce que c'est que de faire du jeu vidéo un peu en indépendant. Ouais. Le tout donc illustré en musique par le taf de C418, c'était assez fou. Et du coup, c'est mieux de le découvrir durant la conf. Oui, c'est pour ça que je conseille plutôt de regarder la conférence, donc Still Grooving, plutôt que d'aller écouter l'album Dief. De toute façon, tous ces albums avant Minecraft sont très cool aussi. Ouais, ouais, enfin, si vous voulez chercher sur Rosenfeld, il a fait 1000 trucs. Il y avait eu un Gamecult, 2 Gamecult sur le mec d'ailleurs. Oh là, et bah voilà. Ouais, tu peux enchaîner maintenant. Donc, Hubert, tu peux enchaîner. Un commanding lead sur la rubrique. Ouais, il est chaud. Oh, c'est lui qui attire. Ah bah je l'ai, ouais. Oh. Je la donne pas la réponse, tellement elle est facile. Je te montre juste. Ok, Olivier Chiabono. Je ne l'ai pas. C'est un célèbre RPG. Peut-être. Ah oui, d'accord. Célèbre RPG venu du Japon. Il y aura peut-être un remix cette année ou l'année prochaine. Je sais plus quand. C'était en 2025. Hein ouais. Ah le... Eh oui, Final Fantasy VII. Quand est-ce que c'est ça? Oui, okay, non, mais... Le morceau Parochial Town, c'est qui est sur le CD4, donc j'imagine vers la fin du jeu. Non, même pas. Je même pas ça se passe plutôt dans les taudis, ça. Ah, les taudis un peu au début, quand on se déguise et tout. Ça me semble dans les taudis, ça. Ah bah désolé, parce que j'espérais justement chercher un morceau un peu paumé du jeu. Après, c'est pas l'un des plus connus du début du jeu, mais effectivement... J'ai essayé de trouver un truc qui sorte un peu de la soundform du jeu et tout, mais c'était pas facile. Composé par évidemment Nobuo Uematsu, hein, qui finalement dans sa vie aura fait les FF, Blue Dragon et Urguys, n'oublions jamais Urguys, et quelques autres trucs aussi, mais surtout du Final Fantasy quand même. Et le dernier morceau, s'il te plaît, mon cher Hubert. C'est pas UBJ. Non. Apex Legends. H1Z1. Realm Royal. Paladin. Et quel est ce jeu? Franchement, aux couleurs, je dirais Fortnite. C'est le mode Blackout de Call of Duty. Non, moi, je pense Fortnite aussi. Eh bien, bravo. C'est Fortnite, le title menu. Sorti en 2017, bien évidemment, et composé par Rom DiPrisco, qu'on oublie un peu trop, puisqu'il a quand même bossé sur Need for Speed 2 et 3, Unreal Tournament 3, et surtout les deux Guacamele, ce qui ont fait quelqu'un d'encore aujourd'hui très, très, très fréquentable. Il a négocié genre 1€ à chaque... Écoute, le de Fortnite. Ah bah ouais, j'espère pour lui mais aussi. De rien, le thème est très cool. Hein. Bah oui, c'est Rom DiPrisco. Je crois qu'il est remixé toutes les 2-3 saisons. Ils ont fait une version rock, une version électro, une version. D'ailleurs, je serais infoutu de dire quelle saison il s'agit, mais au moins je l'ai casé. Eh bien, merci Pipo pour cette sélection de 6 morceaux. On va maintenant passer à la suite et à la fin de cette émission avec The Division 2, qui est donc la grosse sortie de cette semaine. Le test est en cours et Crevette va pouvoir nous en parler. Il est en direct. On se retrouve juste après ce court trailer. Nous sommes des citoyens qui se dressent pour reprendre Washington.
Nous sommes la Division. Et l'histoire se souviendra de nous. De retour sur le plateau pour terminer donc cette émission autour de The Division 2, disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 depuis quelques jours. Le test est en cours, donc il ne sera pas publié ce week-end. Néanmoins, on a déjà suffisamment joué pour vous en parler. Et quand je dis « on », je parle évidemment de Nodus qui avait fait la preview, de Gotos qui a commencé donc la version finale, enfin en tout cas la version commerciale 1.0, pendant quoi, une petite dizaine d'heures à peu près. Je suis à 7-8 heures là. D'accord, 7-8 heures, donc tu as commencé à effleurer, on va dire, le principe et les promesses de The Division 2. Et puis, Crevette, qui est un peu plus loin, je crois, à savoir que tu approches de la trentaine d'heures. Bonjour, Crevette. Bonjour à tous. Pipo Marty, ça n'a pas joué au jeu, alors, c'est ça? Non, ni Puyo, ni Puyo. Incroyable, c'est vraiment... j'ai pas joué à un shooter Ubisoft. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est surpris. Tu vieillis. C'est ça. On va commencer par te donner la parole, ma chère Crevette, en te demandant peut-être de rappeler les promesses de cette suite. On se souvient que la première... que The Division était l'un des premiers gros jeux next-gen montrés il y a quoi, 2-3 ans maintenant, il me semble. Donc c'était quand même un jeu très très attendu. Ça a marché, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus. Sur quelle promesse, sur quelle base part cette suite? La promesse principale, c'est de fournir une suite qui, en termes de contenu, soit aussi riche que l'est actuellement The Division. The Division, donc sorti il y a 3 ans, qui a connu 3 gros DLC et alors une pelletée de mises à jour diverses qui a apporté à la fois du contenu et plein d'ajustements de gameplay, des réglages en termes de time to kill, en termes de loot, en termes de tout. Il y a eu un suivi pour le coup vraiment, vraiment impressionnant et très très professionnel, on va dire, de Massive, qui a pas lâché du tout le premier épisode. Et donc, on est aujourd'hui avec un The Division 1 qui est vraiment très différent de l'état dans lequel il était sorti il y a 3 ans. Et donc l'idée, c'était de dire, vous aurez The Division 2 avec un contenu aussi riche, avec une map 25% plus grande, et surtout avec déjà du PVP, avec toutes les missions qu'il faut. Et ils n'ont pas arrêté de répéter que le cœur du jeu était centré sur le endgame, c'est-à-dire que tout le jeu a été pensé en fonction du endgame qu'il y aurait. Et donc voilà, l'idée c'est de dire, rassurez-vous chers joueurs, on va pas vous la faire à la Destiny 2, on va vous sortir vraiment une suite qui est une suite et qui a du contenu et qui va vous garder pendant le temps qu'il faut. Et en plus, ils ont d'ores et déjà bien sûr annoncé des épisodes, enfin, des DLC à venir qui seront gratuits. Voilà, le cœur vraiment de l'offre The Division 2 et de la promesse Massive et Ubisoft, c'est de dire c'est le contenu et encore du contenu, quoi. Alors déjà, première observation pour ceux qui n'ont pas du tout suivi la com du jeu, on n'est plus du tout dans l'hiver et dans la neige. Non, on est à Washington en plein été. Donc ça, le scénario. J'allais faire un résumé des scénarios, mais en même temps, ça va me prendre une phrase. On est 7 mois après le premier The Division à Washington et il fait chaud. Voilà. D'accord. Ça, c'est le scénario. Et donc on a un cadre radicalement différent. Alors, moi, je trouve que ça a un petit peu moins de personnalité l'hiver dans New York. Ça a apporté une atmosphère vraiment, vraiment particulière, vraiment singulière. Et au début, j'étais un petit peu circonspect par rapport à ce nouveau cadre. Et en fait, plus on le découvre, plus on se rend compte qu'il est cool, notamment en termes de variété. Parce que bon, Manhattan, c'est gentil, mais bon, c'est très carré, c'est très haut, c'est très linéaire et un peu froid. Et là, on est dans une ville qui est beaucoup plus variée en termes d'urbanisme, en termes de quartier, en termes de parc, de zones résidentielles, commerciales et tout. Donc on a une heure de jeu vraiment, vraiment beaucoup plus variée et ça compense un petit peu, on va dire, la petite singularité en moins par rapport à l'hiver, quoi. Et vraiment, c'est une très très belle aire de jeu et surtout en plus, elle permet aux développeurs de créer des missions principales, notamment dans des lieux vraiment complètement ouf, complètement craqués, qui sont vraiment, vraiment top. C'est une des grandes, grandes forces du jeu. C'est que les cadres des missions sont vraiment géniaux, le level design vraiment top. C'était déjà le cas dans le 1, mais là, moi qui connais pas plus que ça Washington, j'ai découvert plein d'endroits et ils s'en sont vraiment donné à cœur joie pour créer ces niveaux qui sont vraiment cool. Remarque de Nodus. Ouais, justement, tu parlais de l'ère de jeu. Chez Ubisoft, pendant des mois et des mois, ils se sont vantés d'avoir un monde qui présentait comme vivant, avec des factions qui s'affrontent, des animaux, de la végétation, etc. Est-ce que tu as eu cette impression-là en jouant, en te baladant? Est-ce que tu as eu l'impression d'un monde qui vivait à côté de toi?
Qui vit à côté de moi, oui, globalement. Alors, ce qui est très appréciable, c'est que donc on a toujours trois factions, comme dans le premier épisode, enfin quatre, mais bon, trois dans le scénario, dans la campagne principale, on va dire, la quatrième faction, les Black Tusk, débarquent eux au endgame. Donc, d'ailleurs, je ne suis pas encore, il me reste encore deux missions à finir pour les voir débarquer. Et en fait, ces trois factions principales qui sont quasiment comme celles du premier épisode ont effectivement des quartiers délimités, mais c'est des zones assez poreuses. Et on voit déjà les factions se mettre sur la tronche. Et surtout, ce qui est appréciable et ce sur quoi est très axé le jeu et la campagne, c'est que les civils qui ont pris les armes se mettent aussi sur la tronche beaucoup avec toutes ces factions-là. Et effectivement, du coup, dès qu'on marche dans une rue, au bout de 30 secondes, tu finis par entendre des tirs, des explosions, que tu peux éviter ou pas. Et généralement, voilà, tu as tout le temps des échauffourées à plein d'endroits. Okay. Tu croises des civils en train de ramasser des ressources, tu vois effectivement des petites biches mignonnes, des petits écureuils qui courent partout, des rats d'égout, des choses comme ça. Mais on a vraiment effectivement beaucoup d'interactions, et puis un jeu ce Division-là pique pas mal à tout ce qu'on voit dans les open world d'Ubisoft, à savoir le côté conquête de zone, des quartiers qui sont à une faction, je regagne certains checkpoints, et au fur et à mesure, du coup, je reconquiers ce quartier-là. Les civils, du coup, prennent les bastions, les défendent, mais parfois sont contre-attaqués. Donc, il y a tout le temps du mouvement, tout le temps des trucs. Ils ont rajouté surtout beaucoup d'événements aléatoires, comme on peut le voir, par exemple, dans Destiny ou des choses comme ça, avec des sortes de micro-missions qui vont se lancer pendant que tu te promènes, encore une fois, facultative, avec du loot toujours à la clé, bien sûr. Mais donc, il y a une zone qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus choper l'attention du joueur que ne pouvait le faire le premier épisode. Ouais. Question de Pipo. Oui, c'est peut-être la question qui va nous amener un peu plus vers le gameplay concret. J'ai l'impression, alors forcément là on regarde ça entre nous, tu parles par-dessus, on parle tous, machin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de patate sur les armes, alors est-ce que je me trompe? Ah, je peux. Vas-y. On pourra parler de à quel point c'est un remède après Anthem en de bien nombreux points, mais globalement, je suis plutôt agréablement surpris par la patate des armes et notamment et surtout par les différences de comportement entre les armes. J'ai quand même l'impression de voir des combats assez mous, quoi. Donc, ce que je reproche souvent, c'est que c'est les snipers qui sont les trucs qui sont probablement les moins satisfaisants, ouais. Je trouve. Mais sinon, au niveau de tout le sound design, je suis plutôt assez satisfait, d'accord. En fait. Okay. Oui, le sound design, effectivement, moi je trouve a été retravaillé. Je me suis farci un peu je suis revenu un petit peu dans le premier épisode avant de replonger là-dedans, et il y a un travail sur le sound design qui est vraiment, vraiment encore amélioré. Et je pense que c'est effectivement le fait de voir sur l'écran, mais quand t'es au casque notamment, que tu joues, que t'es manette en main au cœur des combats, ça pète de partout. Et surtout, ce que je trouve vraiment génial, c'est que les doublages, enfin les voix, sont vraiment top. À savoir que les ennemis n'arrêtent pas de se parler, de te parler, et de réagir à ce que tu fais. Genre, hey, regardez, il y en a un caché derrière la caisse là-bas. Tu fais, oh putain, il parle de moi, merde. regardez, il a sorti son drone. Et ils réagissent tout le temps, genre, ah merde, j'ai plus de munitions. Et ils t'insultent aussi copieusement. Mais il y a vraiment un cadre très vivant. Et surtout, encore une fois, intérêt du casque, un sound design qui est vraiment stéréo de ouf, une spatialisation du son qui est top. De sorte que si t'entends un gars sur ta droite, t'as de bonnes chances de te faire dérouiller la tronche, parce qu'en fait il est effectivement à ta droite, donc c'est un élément en plus du gameplay qui te donne beaucoup d'indications. Donc non, le sound design est vraiment très très réussi de ce point de vue là. Les doublages en français, pas hyper top, vaut mieux jouer en VO, mais franchement c'est même limite un des points forts du jeu, et qui donne vraiment, vraiment beaucoup de d'explosivité, on va dire, au combat quand même. Après, dans la patate des combats, je mettais pas que le sound design. Tu vois, là, je regarde les animes, je regarde des sacs à PV, je regarde des trucs qui me... Voilà, c'était pas que le son. Le son a l'air d'ailleurs plutôt cool, mais... C'est pas mal travaillé au niveau, justement, des feedbacks des personnages qui trébuchent, qui tombent, se mettent à sauter à cloche-pied pour accuser le coup, etc. Ah, oui, okay, et en fait, t'as vraiment toute une mécanique où le mieux, c'est peut-être de caler une bonne balle à un personnage qui est en pleine course pour le stagger.
et ensuite pour de lui mettre une rafale. Mmh. Donc en fait, contrairement justement à un thème qui ne fait pas du tout, enfin quasiment pas ça, là t'as vraiment toute une série de réactions à la, quand tu touches en fait. Oh, ouais, parce que du peu de souvenirs que j'en ai du premier The Division, alors c'était peut-être avant les mises à jour, mais j'avais vraiment l'impression que l'effet sac à PV, comme tu le disais, était hyper prononcé. Ouais. Mmh. Et là, de ce que j'en vois, les mecs tombent quand même relativement vite, t'étais pas forcément obligé de multiplier les headshots. Et ça, c'est peut-être quand même un des points les plus satisfaisants, j'imagine, dans cette suite. Ça a été un des éléments le plus travaillé, le truc qui est le plus revenu. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un suivi exemplaire de Massive. Il y a eu une écoute vraiment de Massive sur ce point de vue-là. Et ils ont effectivement fait beaucoup de corrections. Alors le time to kill a été déjà changé. Donc pour les néophytes, c'est donc le temps qu'il faut pour buter un gars. Donc a été déjà changé dans The Division. Il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits. Et donc là, dans The Division 2, il y a ce changement-là, le time to kill qui est changé par rapport aux ennemis et par rapport aux joueurs, le système de santé qui a changé. Globalement, on a le gameplay qui reste quasiment le pareil, mais ces deux éléments-là vont vraiment bouleverser la donne. Alors, par rapport au côté sac à PV, il faut distinguer, je dirais, deux choses, enfin trois choses limite. D'une part, plus on avance dans le jeu, plus on monte en niveau, plus quand même on va retrouver des ennemis costauds. Et en endgame, pour y avoir goûté pendant les bêtas, les Black Tusk, ils déconnent pas. Et là, on retrouve, mais limite, c'est quasiment obligatoire. Si tu veux du challenge et si tu veux continuer à garder les gars, il va falloir soit tu multiplies par 10 le nombre d'ennemis, soit tu multiplies par 10 leur santé, quoi. Après, il a été ajusté par rapport à un ajout, on va dire, de... Disons qu'il y a une logique maintenant. C'est-à-dire que si un ennemi résiste plus qu'il faudrait, c'est qu'il a déjà une grosse armure et qu'il a également un point faible. Ouais. À viser, par exemple, t'as toujours ces énormes molosses qui débarquent avec un milligun et qui arrosent tout ce qu'il faut. Si tu vises leur pack de munitions, ça va causer une explosion. Donc tu vises au niveau du dos, du sac à dos, tu vises leurs munitions et ils peuvent mourir beaucoup plus vite. Alors que si par contre tu les shootes de face, ils vont encore résister pendant des plombs. Ouais. Donc ça ajoute également un aspect stratégique à plusieurs. Et puis il y a un élément aussi. Si tu joues tout seul ou à deux, effectivement, les ennemis et le time to kill est relativement bref. Par contre, dès que tu rentres dans du coop à 3 ou à 4, encore une fois, c'est presque logique, j'ai envie de dire, parce que évidemment, avec 4 gars qui débarquent pour tirer sur le même gars, bah, le time to kill est un peu rallongé. Mais globalement, il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits de ce point de vue-là, et notamment, voilà, toute la première partie de la campagne, on se retrouve face à des ennemis à peu près normaux, et voilà, je vise le point faible, je fais attention à quelles armures ils portent. Et ça joue beaucoup, donc ils ont quand même réussi à beaucoup gommer ce souci du jeu. Ouais. Tu parlais de la... Ah oui, Gotenamo peut-être. Je voulais juste préciser un truc, parce qu'en fait, les connaisseurs de Division savent sûrement, mais la différence, c'est qu'ici, tout ce qui se fait en termes de points sensibles à toucher, etc., c'est assez technique, c'est des petites zones, c'est-à-dire que c'est pas une grosse bonbonne dans le dos, c'est un truc où en fait, tu peux le choper même dans l'angle quand le personnage est de 3 quarts, etc., mais ça demande quand même de s'y appliquer, et c'est un jeu qui... Alors, moi, j'avais pas beaucoup joué à The Division, mais depuis que là, je suis sur The Division 2, je suis étonné par la technicité du jeu, en fait. Ça demande quand même vraiment de faire très attention, Maybe il disait, le nouveau système de santé fait aussi que certes eux sont des sacs à PV, mais toi tu n'en es pas forcément un, donc l'aspect cover shooter est très important. Il faut vraiment vraiment faire attention à tes angles tout le temps, parce que tu te fais tomber très 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 vite et t'as très peu de packs de soins au début. Et en fait, je suis étonné en fait qu'ils aient réussi à créer un truc aussi technique avec des barres de vie, en fait. Justement, tu parles de technique, je vais te poser une question crevette, parce que c'est un point qui m'intéresse. On l'a pas forcément dit d'ailleurs, mais The Division, c'est un jeu en ligne, c'est un jeu connecté, donc a priori t'es censé t'associer à d'autres joueurs, et pourtant là, quand je te vois jouer, en tout cas quand je vois les captures que Hubert diffuse, j'ai l'impression qu'on fait toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire on se cache, on tire, on se cache, on tire, comme si on était il y a 10 ans. Est-ce que finalement il y a des classes, est-ce qu'il y a des mécaniques de coopération, est-ce qu'il y a des personnages qui ne font pas que ça? Comment ça se passe en fait quand tu t'associes, et pourquoi jouer à plusieurs à part juste tuer les ennemis plus vite? Alors déjà, pour rebondir avec ce que vient de dire Gotoz, parce que déjà, le jeu est devenu un petit peu plus stratégique, et pour viser le point faible d'un ennemi, s'il est face à toi, t'es mort. Par contre, si t'as un de tes potes qui, lui, arrive à contourner les ennemis et à le tirer par derrière pendant que toi, tu le couvres, donc tu vois, il y a déjà cette mécanique-là qui, rien que l'aspect stratégique des combats, qui est beaucoup plus avancé. Alors, rien que pour ça, le coop gagne en richesse.
Et après, on retrouve, comme dans The Division, des compétences diverses et variées, des drones, des tourelles de tir, des nouvelles grenades, une sorte de ce qu'ils appellent les ruches, et une sorte de trucs que tu balances, je ne sais même pas comment le décrire, qui soit peuvent devenir une arme, soit être des éléments de soins. Donc il y a 8 compétences en tout à débloquer. Et améliorer à chaque fois avec, même carrément, elles peuvent être modées, c'est-à-dire on peut en plus rajouter des améliorations dessus, et elles ont plein d'effets variés, donc tu peux déjà façonner ton joueur par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va peut-être avoir un élément pour soigner, l'autre qui va avoir un truc plus défensif avec le bouclier, comme on voyait dans le 1, le fameux bouclier anti-émeute qui permet de protéger ses potes et tout, donc il y a déjà tout cet aspect-là. Qui joue dans le coop avec chacun qui aura ses petites compétences. Et puis il y a les fameuses spécialisations qui elles arrivent en late game. Encore une fois, je les ai vues grâce à la bêta. Sniper, survivaliste avec son arbalète explosif, et puis le destructeur, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, le mec avec le lance-grenade. Et en plus des grenades particulières par personnage. Donc là encore, on va avancer sur, chacun aura carrément une classe, même si on est vraiment plus les fameuses armes qui sont dédiées à chaque spécialisation, c'est limite plus une sorte de ulti, comme on peut le voir dans les autres jeux, parce que les munitions sont hyper, hyper restreintes, mais elles sont très utiles face au boss, et encore une fois, le sniper aura pas le même usage que le lance-grenade, etc. Mais ça vient limite naturellement dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont kiffer et jouer au snipe, il y en a d'autres qui vont être plus sur le fusil mitrailleur, d'autres qui vont être plus sur les fusils d'assaut, et comme ils ont bien travaillé les armes pour les rendre toutes différentes, chaque joueur peut naturellement avoir un rôle un peu différent, mais je dirais que le principal intérêt du coop, c'est bien sûr la stratégie, et comment aborder tel niveau et comment se soutenir et tout. Donc c'est un aspect qui est limite indispensable au jeu, quoi. Alors je vais poser une question qui sera peut-être la dernière, même si elle ouvre plutôt un débat sur Tu parles du endgame. Plutôt qu'effeuillé point par point, j'aimerais bien savoir un peu ce que vaut le jeu, parce que là on est en train de faire les armes, les personnages, les machins, mais je voudrais quand même mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est bien en fait? Est-ce que par exemple Gotos, toi t'as joué 7 heures, donc forcément tu peux pas encore rendre un verdict sur le jeu et notamment cette partie endgame qui est visiblement centrale dans The Division 2, mais est-ce que déjà t'as, toi qui t'es quand même fadé beaucoup de shooters connectés, parce que t'es revenu un peu dans Destiny, baladé, ouais. T'as fait en thème et compagnie, est-ce que déjà t'as passé 7 heures agréables dans The Division 2? Je suis hyper agréablement surpris par ce à quoi je joue, notamment parce que les comme le disait Crevette, tout ce qui est compétences permettent vraiment d'avoir des instants un peu diabloesques où les interactions entre les éléments, etc., le fait de mettre une tourelle lance-flamme qui va forcer un type à se taper sur la tête et à balayer les flammes va le forcer à se tourner et donc à exposer son point faible, etc., un mec qui passe dans le dos, t'as vraiment des moments qui fonctionnent bien. En fait, c'est presque les combos d'Anthem mais sans que le jeu te les donne ou te les force ou que, ouais. Et peut-être même un petit peu moins genre simplement les faire bêtement les uns à la suite des autres, et surtout je trouve que il y a aussi ce truc extrêmement direct où en fait tu montes une équipe directement, tu loot directement, tu t'équipes directement, il n'y a pas d'interruption, il y a là ça va sembler le mec qui rentre du Vietnam, mais il n'y a quasiment pas de temps de chargement où ils sont tellement minimes qu'en fait t'es jamais interrompu et en fait c'est difficile d'aller te coucher. Alors que moi, à la base, la théorie du M4 jaune, violet, vert, j'y crois absolument pas parce que ça manque de fantaisie. Pour moi, c'est les épées, les haches, les machins, ou les robots. C'est la même chose, mais avec des balles. Voilà, non, mais exactement. Mais c'est juste que chacun sa fantaisie et moi, ça, c'est pas censé fonctionner. Mais le fait est que le loot tombe dru tout le temps et que t'as vraiment pas envie de t'arrêter, quoi. Et alors, effectivement, il y a une lourdeur de personnage. T'as un peu l'impression que tu trimbales les héros de No Pain, No Gain. Je vais dire que je suis content d'entendre ça parce que moi, depuis tout à l'heure, je trouve ça éprouvant à regarder. Pour de vrai, ça me fatigue en fait. Les personnages, c'est un peu le mec qui faisait de la muscu au lycée et tu disais, oh, il arrive même pas à tourner la tête. Ils sont tous un peu comme ça. C'est pas Army of Two non plus, calme-toi. Non, mais tu finis par t'y faire. Effectivement, ils font des roulades un peu lourdasses. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. En fait, c'est un jeu que je vais continuer de mon côté. Ouais, donc, du coup, pour poser une question un peu franche du collier, donc entre 7 heures sur Anthem et 7 heures sur The Division 2, tu préfères The Division 2 quand même?
Quelqu'un qui doit choisir entre les deux, par exemple. Bah, si on doit juger sur 7 heures. À 7 heures, oui, effectivement. Ouais, oui, à 7 heures. Mais c'est une drôle. Des jeux comparables. Voilà, ouais, c'est une question d'univers, ouais, quand même, ouais, qui clash un peu. Que ce soit vraiment une expérience scientifique qui puisse donner de bons résultats de faire ça. Alors, bah, docteur Crevette, à vous. Toi, t'as joué 3-4 fois plus que Goto sur The Division 2. Est-ce que c'est 27-30 heures agréables de ton côté? Est-ce que c'est un jeu que tu vas conseiller? Oui, alors oui, carrément. La grande promesse de contenu est largement tenue. Surtout, ce qui est vraiment appréciable, faut pas que j'oublie de le mettre dans le test. Je suis en pleine écriture. J'y ai pensé tout à l'heure en me promenant dans la rue. Je me suis dit, ah merde, n'oublie pas de dire ça. C'est que déjà, tu peux arriver au endgame sans avoir une seule fois à refaire une activité en double. Et ça, c'est quand même top. Ouais. T'as pas du tout besoin de grinder à la con et de refaire 20 fois la même mission. En fait, il y a tellement de contenu que tu peux arriver au level 30 sans faire deux fois la même chose. Donc rien que ça, c'est très bien ça. L'émission, le level design vraiment formidable. Le gameplay, bah effectivement, c'est un petit peu lourdeau, mais ouais, il y a une sorte de truc vraiment basique. Presque j'ai honte de kiffer ce côté. On joue à la guerre, on fait pam-pam-pam, on se cache comme quand on était gamin dans la cour de récré. Enfin, il y a vraiment ça qui joue, quoi. Je me cache et tout. Ah, y en a un là-bas. Ça marche du tonnerre. Le coop à 4 est toujours aussi efficace. Peut-être même encore plus, le loot, bah vraiment, j'avoue, comme Gotos, quoi, on se retrouve piégé comme des blaireaux, quoi, à vouloir toujours, parce que c'est hyper bien pensé, t'as toujours, voilà, toujours envie d'avancer, de découvrir ce que le jeu va t'offrir, parce qu'effectivement, c'est avalanche de loot, et en plus intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste, tiens, t'as un machin, c'est qu'il y a des spécialisations, il y a. Donc oui, ça marche très très bien, l'ère de jeu est top. Mon seul regret, parce que comme tu as dit que c'était à peu près la dernière question, il faut quand même aborder ce sujet-là, c'est la fragilité technique du jeu, ouais, qui est très beau, mais qui, en tout cas, dans mon expérience personnelle, sachant que je joue sur la version 1.03, j'ai commencé sur la 1.02, donc il y avait déjà deux mises à jour avant le lancement. J'ai eu un crash, moi, soyons transparents, j'ai eu un crash sur PS4 Pro sur la 1.02. Pour l'instant, la 0.3, pas de souci. Par contre, il y a pas mal de problèmes. Le plus important, c'est vraiment le pop des textures qui est vraiment parfois très problématique avec voilà, des textures qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à s'afficher. Voilà, le jeu est capable de balancer des trucs vraiment magnifiques. Faut être honnête, la modélisation, notamment les intérieurs, les éclairages, les ambiances lumineuses, tous les effets d'explosion, les effets des armes, des ennemis, ça en balance plein, il n'y a pas de souci là-dessus, le design des missions, des décors est vraiment top, mais voilà, techniquement il y a des petits soucis. J'ai eu des petites chutes de framerate, mais là pareil, c'était dans la 0.2 et j'en ai pas vu là depuis la 0.3, sachant que j'ai joué à peu près moitié-moitié, hein, sur ces deux versions-là. Et puis encore une fois, voilà, on sait que la plupart des soucis seront réglés, ou beaucoup. Bon, moi j'ai vu des ennemis figés à des endroits du décor, des ennemis qui disparaissent et qu'on n'arrive pas à tuer. Voilà, il y a des petits problèmes de polish. En fait. Je t'interromps juste une seconde parce que je vois que Pipo a fait une drôle de tête, machin. Pour les gens qui nous regardent, la personne tire dans la tête sur un personnage qui est invincible tant que t'as pas pété son armure. C'est en fait. Ce que j'avais cru comprendre. Voilà, juste qu'on soit très très clair. Il y a une technique. Il y a une logique. Ça crée pas de la bonne télévision. Ils ont écouté les remarques de Pipo, ils ont créé une vraie logique. Le gameplay, ils ont compris que, voilà, on a des sacs à PV parce qu'il faut quand même du challenge dans un jeu pareil. Si tu. Voilà, sinon tu te finis à dézinguer 100, 200 et demi. Oui, sinon c'est un mousseau, quoi. Ah, c'est pas sûr, il faut qu'il y ait une logique. Voilà, puis bon, après, bah, il y a toujours eu ce souci dans The Division. Il y en a qui aimeront ou pas shooter sur des mecs qui n'ont pas l'air très très costaud. Et c'est pas un Destiny où tu peux dire que c'est un extraterrestre qui a une sorte de peau incroyable. ça si fait tu le veux bien, Crevette, je vais juste repasser la parole sur la partie technique à Gotos et Nodus, puisqu'ils ont pu tester une version sur PC. Le constat est le même chez vous ou pas? Alors, le pop des textures, moi, j'ai pas eu à en souffrir sur PC. Il y a du travail encore. Mais t'es un bon choix, les joueurs PC sont des bons choix. Mais je sais bien, mais en même temps. Pensez au petit peuple qui joue sur console, monsieur. Moi, je m'adresse à toute la France, petit peuple qui joue sur pro, ma gueule, désolé, hein. T'es bien mignon. Non, par contre, moi, j'avais une question par rapport à la gestion des lumières, parce que j'ai vu le jeu tourner quand même pas mal de temps sur PC. Et je trouve qu'il y a un problème au niveau des ombrages. Il y a des moments où les lumières sont pas cohérentes du tout. Là, ça va, ça se voit pas trop.
Mais je sais pas si t'as eu cette impression-là sur PS4 ou c'est. Il y a des effets de contre-jour un peu bizarres, ouais, parfois, ouais. Un peu aveuglants, ou à l'inverse des zones de pénombre qui sont voilà qui sont pas toujours formidables. Après non, au contraire, je trouve même il y a des ambiances lumineuses complètement folles avec des projecteurs un peu avec qui envoient des lumières un peu blafardes. Bah, à ce niveau-là dans le musée de l'aéronautique. Il y a des petits soucis de luminosité, mais pas gênant au final par rapport au travail que tu vois à côté. Et pour terminer, dernière question du coup, on parlait de Endgame. Donc là, les gens achètent The Division 2. Qu'est-ce qui les attend après une trentaine, quarantaine d'heures de jeu du coup? C'est quoi le menu que promet Ubisoft pour te garder dans le jeu sur l'année, voire les deux prochaines années? Alors bon, déjà le endgame tel qu'il va être pensé, alors j'attends de le voir. Moi, il me reste deux missions à finir pour voir débarquer en fait. Donc il y a une quatrième classe d'ennemis qui débarque et qui est vraiment ultra vénère. Et d'après ce que j'ai compris, toutes les missions du jeu, du coup, ils vont envahir intégralement Washington. Et du coup, toutes les missions du jeu déjà vont être, on va dire, redesignées ou différentes parce que ces ennemis-là sont vraiment totalement différents. Et du coup, chaque mission que tu vas refaire va être bouleversée par l'arrivée de ces gars-là. Donc déjà, t'as tout le contenu que t'avais jusqu'au, qui va être complètement bouleversé par cette nouvelle menace. Et ensuite, on a déjà trois DLC qui sont annoncés. Encore une fois, c'est des DLC gratuits. Ubisoft a bien précisé ça. Tant qu'on est sur le gratuit, je précise une chose parce que j'ai pu voir des trucs tourner. En termes de monétisation, c'est important. Il y a absolument il y a zéro truc de caisse à loot à la con, de loot box. Le seul truc payant, c'est les fringues, un peu comme dans Anthem. Il n'y a pas du tout d'avantage, et ils l'ont bien dit, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez aller faire le screenshot sur leur site. Il n'y a aucun avantage de gameplay qui sera monétisé dans The Division 2. Je trouve ça assez honnête et cool de l'annoncer tout de suite et de le faire. Donc ensuite, en termes de contenu, voilà, donc 3 DLC, il y aura des missions dans le Pentagone, je crois. J'ai oublié quel était le sujet du premier, le troisième n'a pas été dévoilé. Il y a le raid à 8 joueurs qui va bientôt arriver. Et puis ils vont balancer plein, on imagine, de contenu secondaire, du loot, etc., etc. Sachant que le jeu, comme je le disais, est déjà très très riche. Voilà, on peut le traverser 30 heures sans faire deux fois la même chose. Donc t'imagines. Et je suis même pas encore allé vraiment dans les Dark Zones. On n'en a pas parlé, mais elles sont de retour. Et le PVP, vraiment, je n'y ai pas encore vraiment touché. Donc, j'ai envie de dire 50-60 heures garanties sans ennui, je pense, qui sont quand tu achètes le jeu, quoi. Alors, deux petites remarques pour terminer, Pipo. Ouais, on avait parlé de la partie technique visuelle. Alors, sauf si mon cerveau m'a lâché pendant 30 secondes, mais je crois qu'on n'a pas parlé du netcode et de la qualité technique pour jouer en ligne. Ouais. L'IA aussi, d'ailleurs, mais... Déjà, est-ce que ça tient le coup en ligne? Est-ce que t'as pas eu trop de persos qui se téléportent, de choses comme ça un peu cassées qui viendraient des serveurs, non? Alors non, cool. Alors il y a eu une journée de maintenance, c'était il y a deux jours, je crois. Il y a eu une petite matinée de maintenance que moi j'ai pas spécialement vu de choses, mais ça a suivi du patch 0.3. En termes d'efficacité du matchmaking et tout, j'ai eu des petits soucis hier soir. Je ne sais pas si ça venait de moi qui voulait refaire des missions avec un level trop élevé, parce que je voulais aller un petit peu plus vite dans ma montée en expérience pour pouvoir vite débloquer la fin. Du coup, là, pour le coup, j'ai voulu refaire une mission principale avec mon niveau, et j'ai pas trouvé de joueur avant une bonne quinzaine de minutes. Mais voilà, encore une fois, on était en early access. Est-ce qu'il y a des joueurs qui étaient prêts à me rejoindre, etc. Bon, voilà, ça soulève. Il y a plein de questions qui. Donc, je sais pas si ça vient de moi et tout. J'ai pas eu de soucis de lag du tout. C'est toujours ultra solide. Pendant toute ma partie où je suivais vraiment la progression du jeu, dès que je voulais faire du coop, bam, en 30 secondes. Il y avait quelqu'un et ça coulait hyper vite. J'ai eu 2-3 petits soucis avec des missions où parfois il a un petit peu de mal. Je pense qu'effectivement il va y avoir quelques petits cafouillages
qui sont limite incontournables, mais franchement c'est ultra solide de ce point de vue là quand même globalement. J'ai notamment pendant l'émission, il y a vraiment, voilà, il y a pas de soucis majeurs avec des trucs qui disparaissent, ouais. Ton pote qui était en train de tuer quelqu'un qui se fige, non, vraiment pas du tout, du tout, quoi. C'est cool parce que c'est un truc qu'on avait vu sur la bêta justement, je crois, ouais. C'est vachement bien, cool. Et le mot de la fin pour Gotos du coup, Je veux juste préciser un truc à propos du cosmétique, on peut en looter un tout petit peu, ce qui est toujours, ce qui en retire un peu la mesquinerie, oui, oui. De tout est dans des coffres, de temps en temps tu tombes sur une petite paire de lunettes de soleil, ça fait toujours un peu plaisir parce que encore une fois il y a pas ça dans Anthem. Deux autres trucs, l'interface, il y a encore beaucoup de travail et c'est vraiment un travail qui a pas l'air prioritaire chez eux parce que souvent, enfin, heureusement, t'as quand même des raccourcis qui te permettent de recycler en masse des trucs, etc. Mais c'est vrai qu'elle est quand même extrêmement envahissante et voilà, il y aurait probablement encore du travail à faire un jour là-dessus. Et enfin, faut quand même pas l'oublier, c'est hyper con. C'est incroyablement con. Dès que ça a essayé de parler, c'est terrible. Là, ils ont des factions qui sont des mecs qui ont pris les armes dans la rue, etc. Ils ont pris le dico de toutes les insultes qu'ils avaient. Ils les mettent les unes à la suite des autres pour faire un peu genre, oui, regardez comme ils refusent le système, ils disent des gros mots. D'accord. Et il faut absolument pas espérer. Le Tom Clancy's devant, il est vraiment ramené à son plus bas, du plus bas, du plus bas. Faut vraiment se dire, comme Diablo, quoi. Tu t'en fous quand les gens te parlent entre les missions, etc. À la limite, de temps en temps, tu sais que tu vas sauver quelqu'un. Mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. En revanche, c'est vrai que du côté du modèle économique qu'on abordait juste avant, Ubisoft, ils ont pu, par exemple, flinguer Trials Rising il y a quelques semaines. Là, c'est la recette Ubisoft, mais bien faite. T'as pas de vraiment de grind pour accéder aux sections plus avancées du jeu, pas de grind forcé. T'as pas de lootbox envahissante, etc. C'est une recette un petit peu semblable à celle qu'il y avait sur Wildlands, par exemple. C'est très accessible et très direct, donc ça, c'est cool. Ok, bah merci messieurs, je pense que tout le monde s'est un peu exprimé sur le cas de The Division 2. En tout cas, donc moi, si j'ai bien compris vos arguments, c'est comme un jeu que vous allez conseiller, même si vous attendriez peut-être quelques patchs pour au moins fixer les derniers bugs de lancement, et sachant qu'évidemment, faut y aller en connaissance de cause et pas attendre évidemment une fiction narrative extrêmement puissante. Bah merci Crevette pour ces quelques mots sur The Division 2. Du coup, il te reste quelques heures pour terminer ton test. On te renvoie. Je la veux ce soir sur mon bureau. Je te souhaite bon courage pour la fin de cette rédaction. Et puis, bah, je te dis à très bientôt dans GameCut l'émission. Et quant à vous, messieurs, je vais également vous souhaiter un bon week-end, hein, puisque nous sommes samedi matin. Donc voilà, vous allez pouvoir partir en week-end. On est encore vendredi, donc vous allez travailler après. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission de GameCut. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, le Worms est tombé. C'est nous juste qui joue, c'est un enfant. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission de GameCult. Salut à tous.